Noël est l'occasion de témoigner notre estime à ceux qui nous sont chers. Alors permettez-moi de souhaiter, au nom de la grande famille de Télévision 4 saisons, que la magie de Noël accompagne vos réjouissances en cet heureux temps des fêtes. Et joyeux Noël, tout le monde! Oui! Joyeux Noël à tous. Oui, joyeux Noël et bienvenue au 44e épisode de Noël chez Isidore. Une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Yes. Oui, on n'oublie personne. Non, je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Je suis Étienne Forêt, musicologue de Noël. Et je suis Valérie Guérilla, remplaçante full-fledged de Noël. Ah, c'est vrai, t'as pas un titre. T'as pas, pas de titre de Noël. T'as pas une niche. Non, non. On va t'en trouver une. Ouais, Boutineuse de Noël qu'on avait dit, je pense, la dernière fois. Ouais. Touche à tout de Noël. Ah, pas la touche de Noël. Pas la touche de Noël. Ouais, je pense qu'on avait établi que c'était ça, mon truc. Pas la touche à tout de Noël. C'est parfait. Ouais, c'est le 44e épisode qui est le même nombre d'épisodes que je sais plus, parce que là... C'est autant d'épisodes que de journées passées enfermées à la maison. Oui, c'est exactement. Ça, je pense. De toute façon, le temps est devenu élastique en tabarouette, puis notre perception du temps est devenue accessoire. On s'en fout. On est en confinement, mais on a décidé quand même de faire une émission pour vous amener du Noël, parce que ça fait du bien. Plus que jamais, les gens ont besoin de Noël, en fait. Noël n'aura jamais été aussi pertinent. Ça, c'est sûr. Oui. Comment vous allez, vous autres? Ça va comme quelqu'un qui ça fait 44 jours qui est confiné. Ça va, correct. J'ai pas compté les jours pour vrai, là. Ça, c'était une blague. Mais je pense que ça fait moins que ça. Ça fait genre 37 jours pour ceux qui ont commencé le 14. On est le 23, là. Ouais. Faites vos propres calculs à la maison. Faites vos propres recherches. Oui. Mais non, sinon, ça va, là. Ouais, effectivement. C'est comme la vie change, mais ça se passe pas si pire. On s'en sort bien. On est bien chanceux. Tout le monde ici est très privilégié. Fait que, on ressent les... On l'a facile. C'est ça, exactement. On n'est pas au front, on n'est pas à l'hôpital, on n'habite pas un CHSLD. C'est ça, quand même réglo, là. Ouais, j'ai de l'argent pour m'acheter de la farine pour faire des pains puis pas les mettre sur Instagram. Fait que c'est parfait, là. Quoi? C'est tu ne bon, les mets ça. Pas sur Instagram? Non. Ouais. Est-ce que je vis un peu moins? Je vis moins intensément. Parce que à quoi ça sert de faire un pain, d'abord? Ben, je me posais la question, puis j'élargissais ma question à l'ensemble des activités dans ma vie. À quoi ça sert de vivre si tu ne mets pas tes chiffres sur Instagram? Sur Instagram. Ça, comment les gens vont pouvoir me faire miroiter ma propre existence? Tu sais? Ouais, puis te valider? J'ai aucune reconnaissance en ce moment, là. Non. Tu fais tout ça dans le beurre. Je fais tout ça dans le beurre. Tu fais du pain dans le beurre. Oh, shit! Tu mets-tu du beurre sur ton pain? Fuck oui, man. J'ai fait mon premier pain au levain, puis c'était vraiment bon. Je n'en parlerai pas sur Instagram, mais je vais le dire live ici. Est-ce que tu fais ton propre beurre? Non, je ne suis pas rendue à l'étape de barater ma crème. Ça a l'air facile, ça, me semble, non? C'est très facile, mais je pense que ce n'est pas rentable. Tu sais, genre, t'es mieux de t'acheter une livre de beurre. Même les livres de beurre fancy de Snob, là, le beurre désigné qui vient de France, il coûte moins cher que d'acheter la quantité qu'il faut de crème pour te barater ton beurre toi-même à la sueur de ton front. Oui. De toute façon, on a d'autres choses à faire. Là. Hein? Mais le but, c'est d'être hipster. Là. Je pense pas que c'est d'économiser. Le but, c'est d'être hipster. Non, mais s'il y a un retour à la terre parce que tout implose, moi, je pense que je vais être correct. T'sais, si vous voulez être dans mon équipe, là, on va bien manger, là, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est clair. Ça me prendrait quelqu'un qui chauffe manuel, par exemple. Moi, je peux faire ça. Cool, regarde, tu vois, les gens font ça. J'ai ce skill-là. Moi, j'ai mon permis de port d'armes, puis je fais à manger, puis je pense que je serais pas pire pour faire pousser des affaires, mais il manque beaucoup d'atouts dans mon équipe éventuelle. Fait que si toi, tu chauffes manuel... au moins, j'ai enfin une utilité. Ça prendrait quelqu'un pour siphonner du gaz aussi. Ouais, je peux essayer de faire ça. Nice. Faut bien que je me trouve quelque chose, moi, là. Ouais. Bon, tu vas être l'archiviste de notre histoire. De l'apocalypse. Ça ne sert plus à grand-chose, rendu là. L'histoire est très importante pour s'assurer qu'on ne la répète pas. Hein? La civilisation qu'on va partir, toute la gang ensemble, va falloir après ça qu'elle soit basée sur quelque chose. C'est sûr que mes archives de bonne humeur et de tac au tac, ça va être très pratique. Ouais. Non, je pense que dans un avenir dystopique où on n'aura plus rien, si on a encore des footage de Gilles Latulippe qui fait des niaiseries, ça va nous permettre de rester en vie. Exact. Pour vrai. C'est vrai. En vie puis en souriant. Ouais. Right.
Puis là, ça fait quoi? Quasiment plus qu'un mois qu'on a fait une émission. Oui, là, ça fait longtemps. Ouais. Oui, la dernière était avec la belle Sophie. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Fait c'est que, vrai. Ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas vu notre Paul à toucher à tout de Noël. Ben oui! Et il s'est passé des choses pour nous dans le dernier mois, c'est-à-dire on a sorti deux nouveaux podcasts. C'est vrai. Pour les membres Patreon. Oui, c'est ça. En attendant, on avait sorti Noël chez Isidore, qui était plus des outtakes. Et là, oui. Maintenant, pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants, on a Terre humaine chez Isidore. Wow. Avec Étienne et Gabriel Isocolor, où on résume Terre humaine. Au complet. Oui. Un épisode à la fois. Est-ce que vous avez sorti un deuxième épisode de Terre humaine chez Isidore? Non, ça devrait sortir la semaine prochaine. OK, un par deux semaines, genre, c'est ça? Oui, oui. Okay. Oh mon Dieu, à ce rythme-là, on va prendre notre retraite pour en avoir encore, là. Oui, ça va être vraiment long, oui. Mais il y a plusieurs épisodes dans un épisode de podcast. OK, je pensais que c'était un épisode de podcast par épisode, comme non, Baywatching, non, non. Mettons. Non, okay. Non, il n'y a pas assez de contenu dans un épisode de Terre humaine. C'est très contemplatif. Il y a pour faire une demi-heure, c'est le même temps que l'émission, ça n'a pas de sens. On pourrait leur jouer. En temps réel, oui. On pourrait juste le faire jouer. On pourrait juste diffuser ça. Mais ouais, là, c'est drôle. En plus, notre sujet aujourd'hui était le sujet qu'on avait choisi il y a un mois, juste avant que... En fait, on a reporté l'enregistrement d'une journée et c'est cette journée-là qu'on s'est écroulé en confinement. Ça nous apprendra. Ouais. C'est vraiment bien illustré l'expression « Pourquoi faire demain ce que tu peux remettre vite? » En tout cas, tu sais, cette expression-là. Là. Ouais, ouais. ça nous aura bien servi de leçon, en tout cas. Mais on va vous parler du film Santa Claus, un film du Père Noël mexicain. Oh. Mmh. Très troublant. Ah! Ouais. C'est pas reposant. Non. Fait que voulez-vous commencer ça là? Ben, all in! Ah oui, donc. Pour ça, let's go! Donc, le film Santa Claus, un film d'origine mexicaine de 1959. Je pense que c'est le plus vieux film qu'on a regardé à date. C'est très possible, oui. C'est aussi connu sous le nom de Santa Claus versus the Devil. Mm-hmm. Parce que oui, c'est un peu ça l'histoire. C'est réalisé par René Cardona, qui est un réalisateur d'origine cubaine qui a réalisé des films de 1925 à 1982. Et il a fait plusieurs films de la merveille masquée, le lutteur Santo. Wow! Okay, wow. Entre autres, Santo et le trésor de Dracula, et Santo contre les chevaliers de la terreur. Ah, oh, mon Dieu, wow! C'est aussi le père d'un réalisateur de genre, qui est René Cardona Jr., qui a réalisé Le mystère du triangle des Bermudes, Les diamants de l'Amazone et Tintorera, qui est un rip-off de Jaws. C'est parfait. Ouais. Et c'est avec. Là, je vais essayer de prononcer les noms. Oui, que ce soit plus bonne chance. Pas facile. José Elias Moreno, qui joue le Père Noël. Mm-hmm. José Luis Aguirre, qui joue le diable. Pitch. Non. Il y a Armando Arriola, qui joue Merlin. Oui, parce qu'il y a Merlin dans cet univers. Merlin dans ce film-là. Très surprenant. La narration est faite par un certain Kay Gordon Smith, qui lui est un gars qui a importé plusieurs films pour en faire des versions anglaises. Fait que c'est comme le producteur de la version américaine de Santa Claus. Et il a aussi fait plusieurs courts-métrages de Noël, dont... La plupart des films se passent dans des foires, dans des carnavals, ou tu sais, genre le village du Père Noël, mais dans une espèce de ronde, si on veut. Il a fait Santa's Enchanted Village, qui met en vedette une moufette qui aide le Père Noël à préparer Noël. Oh, et il y a aussi Merlin là-dedans. Yeah. OK.
Il a fait Santa Claus and His Helpers et Santa's Magic Kingdom, qui est encore avec une moufette. Mais là, il met des images du film qu'on a regardé dedans. Donc, c'est un... C'est un c'est la récupération, ben oui, c'est ouais, ça. C'est très 2020, tout ça. J'ai le Google Translate de le résumé du film. Parfait. Avec l'aide de Merlin, le Père Noël doit vaincre les machinations diaboliques du diable Pitch pour ruiner Noël. Tout simplement. C'est pas mal exactement ça, en fait. C'est ouais. bien dit. C'est très simple. Fait que là, le film commence avec une intro. Il y a la toune Jingle Bells qui joue, une version instrumentale, qui va jouer tout le style film. Oui. Il y a un beau visuel qui ressemble à une genre de vieille carte de Noël. Oui, ouais. C'est vraiment joli, en fait. Et le générique nous dit que c'est tourné en Mexiscope. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est jour, on n'a aucune idée. Moi, tant qu'à inventer des mots, j'aurais appelé ça mexicanoscope, peut-être? Oui, peut-être. Non, pas pareil. Mais bon, non. Ça ne désigne pas la même technologie, en fait. Oui. Mexiscope, c'est plus épicé, je crois. Oui, exactement. Oui. Et là, on commence, on rentre dans le film, il y a le narrateur qui nous présente le royaume du Père Noël. Oui. Et déjà, premier point surprenant, là. Oui, il est loin dans l'espace. C'est pas le pôle Nord. C'est au-dessus du pôle Nord, mais dans l'espace. Ouais. Ils ont vraiment pris ça au pied de la lettre, le Nord, genre magnétique, là. C'est comme faire le haut. Ouais, voilà. C'est dans le haut, hein, le Nord. C'est dans le haut, le Nord. C'est pas con. Et le deuxième point qui est un peu bizarre, c'est que là, le Père Noël, qui est la première fois qu'on le voit, il est bien crampé. Ouais. Et il place une crèche. Oui. Donc là, l'espace, Dieu, tu sais, l'idée du christianisme, ça, on dirait que ça ne marche plus, là. Ouais. Mais en même temps, c'est inclus, mais c'est nié par l'existence même du Père Noël, parce que si on comprend bien la dichotomie de tout le film, le Père Noël est Dieu, parce qu'il représente le bien, son némésis, c'est le diable, Pitch. Mais là, vu qu'il place une crèche, c'est comme si le Père Noël était chrétien, mais Dieu n'existe pas dans cet univers-là. C'est spécial. Un des trois, le triangle de puissance du christianisme, à dire... Le triforce de Jésus. Oui, le triforce. Ouais, le Dieu, Jésus et l'Esprit-Saint. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, Merlin, ce serait l'Esprit-Saint. Peut-être. Puis, on poursuit, mais il y a des théories à, ouais. à fabriquer à partir de ça. Faites vos propres recherches. C'est vraiment ton mood en ce moment. Oui, moi, je ne fais plus jamais aucune recherche pour quiconque. Non, vous allez vous gérer la recherche. Je s'arrange. Et là, on tombe dans la scène, je pense, la plus iconique du film, si on veut. Et la plus longue, dans mon ressenti, en tout cas. Oui, c'est très long. Très, très long. Il y a le Père Noël qui s'installe au piano et le bout le plus raciste du film, si on peut dire. Oui, de loin. Très stéréotypé, disons. Ouais. C'est ça, c'est que son genre de Toyland, c'est une genre de manufacture avec des enfants différents pays. Ouais, c'est ça. Plutôt que d'être des lutins, c'est des enfants. Mais on ne sait pas trop si c'est des enfants humains qui ont été comme capturés ou ils sont nés là, d'où ils viennent. Est-ce que c'est des vrais enfants, en fait, ou finalement... Ah, c'est peut-être ils restent des kids toute leur vie. Ou, c'est ça, on ne sait pas. On sait pas trop d'où En tout cas, chaque nation telle qu'on les concevait dans les années 50 est représentée. Les gens... On commence rough avec l'Afrique. Dieu Seigneur! Et là, c'est des petits enfants qui jouent sur des tam-tams puis ils ont des os... dans les cheveux. Ils sont en bédane. Puis voilà, tout le monde est très, très cliché raciste de son pays. Puis, il y a des purs blackface, là, comme il ne s'en fait plus là, dans cette scène-là. Là. Ah, moi, je pensais que les enfants étaient noirs. Je pensais qu'il y avait pris J'avoue que ça noirs. Fait plus d'un mois et demi que je n'ai pas vu le film. Il y a des quelque chose face à m'amener. Il n'y a pas des red face à m'amener. En tout cas, poursuivons. Là, mais, je ne suis pas certain. Mais peut-être. Ce n'est pas d'une grande délicatesse et d'une grande sensibilité. Oui, mais même s'il n'y a pas de face, mettons, c'est quand même tout le monde est comme déguisé en son ethnie. Là, c'est le festival de l'appropriation culturelle. Ouais. C'est violent. Là. Puis aussi, des fois, c'est séparé en pays, mais des fois en région. Ouais, oui, exact. Comme l'Afrique.
l'Afrique, mais après, tu as l'Angleterre où tu as des enfants qui chantent London Bridge is Falling Down. Mm-hmm. Et après, tu as l'Orient. Ouais. Oui. Mais pourtant, pourtant, il y a eu le Japon et la Chine, mais il y a aussi ouais. l'Orient, qui finalement, l'Orient semble être le Moyen-Orient. Oui, ouais, c'est ça. Fin de compte. Puis encore là, tous les clichés, mais il manquait un charmeur de serpent, mettons. Oh, non, mais il n'y avait pas un tapis volant où il était comme sur un beau tapis persan. Puis, Ouais, je pense qu'il y a une, genre un enfant qui fait du baladi. Oui, exact. C'est un petit peu bizarre. Tout ce temps-là, le Père Noël, il fait. C'est pas clair qu'est-ce qu'il fait à son clavier ouais. de piano. Il y a comme un synthétiseur. Une espèce de maître de cérémonie slash chef d'orchestre. Là, mm. Est-ce qu'il active les enfants en jouant du clavier? Ouais. C'est ça qu'on ne sait pas trop. Est-ce qu'il contrôle quelque chose ou est-ce qu'il fait leur musique? Mais au début, il commence à jouer alors que la musique jouait déjà. Ouais. C'est aussi, le répétiteur, weird. Le clavier, c'est comme aussi un peu une espèce d'ordinateur interface science-fiction des années 60, là, avec juste des lumières de toutes sortes qui flashent à travers ouais. les écrans. Fait qu'il semble contrôler de quoi, mais c'est pas clair quoi. Il y a le narrateur aussi, un moment donné, qui dit, en présentant les pays qu'on voit, il dit « Hey, il y a même la Russie! même » Parce que, tu sais, même eux... Ah, puis aussi, même eux sont là. Oui. Quand ils présentent l'Espagne sur le clavier du Père Noël, c'est écrit Italie. Oui, c'est vrai. Puis plus tard, ils présentent l'Italie, puis Italie. C'est écrit encore Italie. Tu sais, fait que, ouais. L'Espagne, c'est juste un glitch. Là. Ouais, il y a la France. Marqué. La France qui joue le pont d'Avignon, puis là, ouais. il y a oui. Yvette qui tient une poupée et oui. Pierre qui la peint. Même qui précise les noms. Tous les enfants sont peu motivés, là. Ils ont tous pas, ah ouais. pas l'air d'avoir le goût de faire ça. Alors, ouais. Sauf les enfants mexicains, parce que là, éventuellement, il vient le moment où on arrive au cœur de l'affaire, là, puis c'est le Mexique qui est appelé à faire sa ouais. représentation. Puis là, on sent une espèce d'élan de patriotisme. Là. Puis les petits acteurs mexicains, ils sont vraiment plus dedans que la majorité. Là. Ah, ben, il y a un petit gars qui joue vraiment... Ah ouais, avec son petit sombrero. Oui, il est vraiment fier. C'est comme un petit coq qui est assez cute. Là. Évidemment, il chante la cucaracha. Ouais. Évidemment, parce que c'est l'hymne national mexicain. Ouais. Là, c'est bien ça. Connu. C'est bien connu. Mais là, après tout ça, t'as, c'est ça, le petit mexicain. Que... je sais pas si je peux... petit mexicain. Ouais, je peux pas l'appeler de même, mais bon. Je sais pas son nom. Il y a pas de personnage, il y a pas de nom de personnage. Non. Je veux dire. Il y a un sombrero, on va l'appeler sombrero. Ouais, appelons-le ouais. sombrero. Il semble être un peu en charge des ouais. autres. Il a l'air comme plus important. C'est le personnage ouais. à le moniteur, c'est les yeux, les oreilles de tout le monde, c'est lui qui est l'élément déclencheur de plein de petites scènes, c'est lui qui colle les chats. Et c'est lui qui amène un jouet au Père Noël qui est en forme du diable. Mm. Et là, en le faisant spinner, on se retrouve dans l'enfer. Oui, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Il y a beaucoup de feu. Il y a du feu, c'est une grotte, et il y a beaucoup de diables qui ont une tenue un peu qui ressemble à... plus des genres de paladins ou, tu sais, des... Ouais, c'est comme des gardes, genre. Ils, ouais. sont bien cuirassés, là, pour subir des attaques quelconques, là. C'est des gens qui connaissent leur position d'infériorité, je pense. Même le monde du mal admet que le bien est mieux, genre. Ouais. Puis là, ils sont tous en train de danser, là, de faire de la danse interprétative, là. Ouais. Puis là, Lucifer lui-même... fait disparaître tout le monde, sauf un, qui est Pitch. Oui. Et là, il lui ordonne de rendre les enfants méchants. Ouais. Mais pas tous les enfants, genre juste trois, ben non, cinq enfants random. Ouais. C'est pas un très grand déploiement là, non, pour l'enfer, j'ai trouvé. Là. Ils ont comme des très petits moyens. Mais c'est très low-fi, l'enfer. C'est ça qu'on se rend compte, finalement. Tu les imagines avec des pouvoirs de corruption beaucoup plus vastes, mais en gros, je veux dire, la pègre a beaucoup plus d'emprise sur le monde que les démons, finalement. Fait que c'est pas si inquiétant que ça, au final. Non, c'est ce qu'on réalise. Les démons, en fait, ce qu'on comprend tout le long du film, ils peuvent se téléporter. Ouais. Ils peuvent manipuler des objets comme bon leur semble. Et ils peuvent, mais ils sont invisibles à tous. Puis lorsqu'il parle à un humain, l'humain l'entend pas, mais pense la même affaire que le diable est en train de dire, comme si ça venait de sa propre pensée. Genre, ouais, ils peuvent juste faire de la suggestion, c'est leur seul pouvoir sur les êtres humains. Puis ça marche, en fait, la plupart du temps, pas vraiment. C'est comme, semi, genre. Faut que la personne, déjà, ça ait tenté de faire ça, en fait. Et pour vous imaginer un peu ce qui a l'air Pitch, là, imaginez...
René Richard Cyr avec un red face. Un pitch. Je trouvais qu'il dans faisait dans un léotard One Piece rouge, ouais, en espèce de lycra shiny, là. Tu sais, ils ont pas fait le bord. Et là, c'est là... Il y avait des belles cornes. C'est vrai. Ça avait l'air des vraies cornes. Diable. Ouais. Après, on nous présente les enfants qui vont être le sujet du diable, c'est-à-dire de transformer en méchants enfants. Ils sont tous devant une vitrine où il y a un Père Noël mécanique vraiment plus épeurant que le diable. Creepy, là. Ouais. Et fait que là, les enfants, t'as un kid avec des cheveux bouclés qui, lui, c'est l'enfant riche, mais que ses parents l'ignorent, fait qu'il n'est pas heureux. Oui, exact. T'as trois kids qui se tiennent ensemble et qui sont juste méchants. Ils sont des petits bums, là, quoi. Ouais, des petits brins, mettons. Oui, ouais, des petits bums avec un char gris. Sauf qu'il n'y a pas l'air de choper. Il y en a trois qui est impliqué là-dedans. God rest her soul. Petit bum. Et y a Lupita, qui, elle, est pauvre. Elle est très pauvre. Mais c'est son trait de caractère. Mais elle est gentille, par contre. Oui, ben, elle est pure. Très gentille. Ouais. Parce que dans la pauvreté puis dans la contrition, il y a beaucoup de noblesse. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? Ben, Jésus est né dans la paille. Hein? C'est cela. Et là, ben, Pitch murmure aux oreilles des petits bums. Et là, eux, ils pitchent une roche dans la vitrine. Et la roche se rend jusqu'au Père Noël. Ouais, celui qu'on a vu l'autre fois. Ouais, ben, qui est dans l'espace. Là. Ouais. On dirait que quand tu attaques une... Puis ça, c'est dommage que ça n'a pas été réutilisé, mais dès que tu frappes une effigie du Père Noël, ça fait de quoi au vrai Père Noël? Ouais. Je trouvais que l'idée était intéressante, puis, mais après ça, on ne refera plus jamais ça. Non. On jette ça comme les restants de dinde de la veille. C'est hein? ça. Pourtant, il me semble que c'est une immense arme à utiliser si t'es le diable et que t'es contre le Père Noël, mais finalement, non. Ouais. Peut-être qu'il ne sait pas que ça fait ça, en fait, il veut... Il n'est pas conscient peut-être. Lui-même. C'est juste le monteur qui a décidé que ça marchait de même. Comme ça, il peut retourner au royaume. Mais c'est mais ça parce que là... non, vas-y. Oui. Non, mais j'allais dire, mais de toute façon, dans ce qu'on va comprendre plus tard dans le film, le Père Noël est beaucoup dans une position d'observateur, puis il épie depuis son espèce de forteresse technologique des nuages. Là. Il utilise toutes sortes d'instruments qui lui permettent d'avoir accès à l'action sans y participer. Fait que je pense que c'était plus... On va en parler des instruments. Ah oui, il faut en parler des instruments. Mais on en parle plus tard ou pas. Là. Bon, on était pas mal rendu. On arrive, là. Bon, on arrive là. Ben, on apprend avant que le Père Noël peut juste être sur la planète Terre le 24 décembre. C'est ça. Ouais, exact. Il y a un droit de visa exclusif cette journée-là. Et là, pour observer les enfants, le Père Noël utilise plusieurs appareils, dont le Earscope, oui, qui est une oreille dans un satellite. Il y a le Cosmic Telescope et le Master Eye. Donc, les deux, j'ai de la misère à différencier, mais il y en a un des deux que c'est un tuyau. Avec comme un tuyau d'aspirateur, mais avec un œil au bout. Oui. Il semble pouvoir voir ce qui se passe à distance. Ouais. Mais je pense que l'œil, de ce que je comprends, il regarde puis il fait des recherches. Puis un coup qu'il a trouvé ce qu'on cherche, là, il y a le gros télescope qui nous permet de voir qu'est-ce que l'œil a trouvé. Oui, c'est ça. Le télescope, c'est plus ciblé. C'est comme le scalpel, puis le Master Eye, c'est le CAT scan, mettons. Oui, exact. Et ma chose préférée dans ces instruments, c'est le télétalker. La grosse bouche. Oui, la grosse bouche ou le glory hole de Noël. Parce que c'est quand même deux lèvres. Ouais. Et le Père Noël peut être seul des fois. Ben oui. Ben écoute, il n'y a pas de Mère Noël, c'est pas sous-entendu. À moins que Merlin soit le love interest du Père Noël puis qu'on l'ait eu tout faux depuis le début. Là. C'est pas important. Je veux juste appuyer le fait que moi, ça m'a vraiment marqué la conceptualisation de ces instruments-là. T'sais, c'est tous des extensions d'un organe ou d'un sens du corps humain. Puis ils sont allés vraiment littéralement là, dans la voie la plus facile. Bon, ben ça sert à entendre des affaires. On va le faire en grosse oreille de carton-pâte. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour regarder, mais faisant un œil, vraiment comme...
T'sais, shout out à Claude Lafortune. Là, ça me faisait un peu penser à l'Évangile en papier mâché, mettons. Là. C'était quand même très beau le set design de ça. Là. C'est super travaillé, puis c'est très creepy. Là. C'est des échelles bizarres pour des organes. Ça fait très Pee-wee's Playhouse. Oui, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'échelle qu'ils ont utilisée, puis juste dans la réflexion derrière ce concept-là. T'sais. Mais on en était au premier balbutiement là, du développement d'une technologie qui, nous, plus tard, on va percevoir différemment. Là, on n'est pas obligé de comprendre que notre téléphone n'est pas obligé d'avoir un bout oreille puis un bout bouche pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça fait. Genre. Je pense qu'à l'époque, c'était pertinent de passer le message de l'utilité puis de la fonction d'un objet à travers des codes vraiment clairs puis reconnaissables. Fait que, en tout cas, je trouve ça intéressant. Ah, mais je m'égare. Si nos cellulaires aujourd'hui avaient une bouche en bas et une oreille en haut. Peut-être que mon confinement serait différent. peut-être que je ferais beaucoup plus d'appels. Et c'est ça, là, avec ces instruments-là, il va observer nos enfants qui nous ont présentés tantôt. Nos aînés, nos enfants. Oui. Voilà. Il y a évidemment Lupita qui, elle, pour Noël, veut une poupée. Ah, oh, c'est-tu qu'elle aimerait ça? Puis là, elle check un show de popettes bizarres. Il y a des genres de marionnettes qui se tapent dessus puis qui s'embrassent. Là, c'est des... guignols. Oui, c'est exactement ça. C'est un guignol. C'est un guignol, en fait. Guignol mexicain. Il y a un petit castelet mexicain, puis là, elle voit un show, puis elle se l'imagine, puis elle entre dans la fantaisie, genre. Puis là, il y a des danseurs, puis des popettes grandeur nature qui font une danse. Ça, c'est... C'est dans ça, son c'est rêve. Ah, pardon. Encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Non, mais c'est correct. Là, c'est mélangeant. Tout, il y a beaucoup de scènes qui servent comme à rien. Mais, c'est très onirique. Ça me fait penser à des fois, il y a des scènes dans ce film-là qui sont comme des inserts. Tu sais, dans le passe-partout original, là, parfois, il y avait des inserts de ballet jazz. Comme ça, là, tu partais de l'univers, mettons, de Canel puis Pruneau, puis avant d'aller dans l'univers de Passe-Montagne, Passe-Carreau, Passe-Partout et compagnie, il y avait comme des mini-sketchs. Là, tu passais comme... genre une heure et demie, pas une heure et demie, mais genre une minute et demie, c'est ça, de danse interprétative ou d'affaires vraiment weird. T'étais comme wow! Ouais, ça filait drogue expérimentale un peu. Là. Mais là, c'est ça, après le spectacle, là, elle marche, puis là, il y a un genre de marché public dehors, et elle voit une poupée sur une table, et là, le pitch, lui, murmure à l'oreille de « Tu devrais la voler, elle est à toi, prends-la », puis là, elle la prend, puis finalement, elle la remet, parce qu'elle se sent mal. C'est incorruptible. Après... c'est un peu plus tard, mais là, quand elle fait un rêve, c'est ça, le rêve où elle s'imagine avec des poupées géantes, qui est un asti de cauchemar. Là. Oui, exact. Les poupées, ils ont comme deux visages, un en avant, un en arrière. C'est terrifiant. Puis, ils sont vraiment grandes. Puis, elle est juste au milieu de ça, à se faire tourner autour par des danseurs géants avec deux faces. Comme c'est vraiment whack. Là. Ça, puis, on peut voir ça. Mais on peut voir ça à cause que le Père Noël est capable de revoir les rêves. Oui, exact. C'est comme ça qu'il sait ce que les enfants veulent, en fin de compte. Ouais. Malgré qu'il y a aussi le courrier là, où on peut lui écrire, mais quand il lit les lettres, il sait s'il ment ou pas en les lisant. Mais aussi, il check leurs rêves pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Fait que finalement, je sais pas, il y a beaucoup de sources de données. Ah, oh, il comprend que les enfants sont peut-être pas capables d'exprimer leurs désirs profonds encore. T'sais, ils ne sont pas actualisés à eux-mêmes. Là. C'est des petits êtres humains en devenir. C'est vraiment smart de la part du Père Noël quand même. Ouais. Des fois, ce que tu penses que tu veux, c'est pas ce dont tu as besoin. C'est comme ça qu'on voit donc qu'elle, ce qu'elle veut, c'est la poupée. Puis on voit aussi dans la même séquence l'enfant riche qui, lui, il rêve qu'il ouvre des boîtes de cadeaux géantes contenant ses propres parents. Ouais. c'est deux Barbies, genre. Ouais. Puis là, le père comprend qu'il veut de l'amour de ses parents. Mais là, je trouvais que ça faisait trop surveillance par le Père Noël. Ouais, ouais. Comme Big Brother. Ouais, il rentre même dans tes rêves. Ah oui, c'est tu sais, le 5G, là. Non, mais il faut dire que dès le départ, tout ça, là, t'sais, le Père Noël est pas irréprochable, puis même à la limite, tout son univers, puis ses méthodes sont assez angoissantes. Là. T'sais, premièrement, c'est un sweatshop où il y a du travail, du travail non volontaire, aka
presque de l'esclavagisme. En plus, c'est ça, il y a des yeux puis des oreilles partout, puis il est beaucoup dans des activités de contrôle puis de manipulation lui aussi. Là. Tu sais, à date, c'est pas legit, là. Non, pas clair que le Père Noël, c'est le bon. Là. À la limite, ce que le diable, ce que Pitch, en fait, le représentant du diable, souvent essaye d'instiguer chez les gens, c'est le libre arbitre, l'écoute des pulsions. Y a, à la limite, il y a quelque chose à dire par rapport à ça, là, comme quoi le diable encourage quelque chose de très sain. Une dynamique un peu plus ça a toujours self-affirming. Été ça, en fait. Là, ben, toujours. Mais là, c'est très, très accusé dans ce, dans ce film-là, je trouve. Lucifer, à la base, c'était ça, sa job. Oui. C'est de, genre, faites vos propres recherches, guys! Puis là, il se fait crisser dehors à cause de ça. Ça te fait bien ton pinch, Étienne? Oui, merci. Puis ma face rouge. Oui, c'est beau. C'est beau, les petites pointes. J'essaie de quoi? C'est pas pire. C'est très confinement. Mais là, de retour dans le film, là, qu'est-ce qui se passe après, Simon? Je me rappelle plus de, immédiatement. Ben, il y a le bout des lettres. Ah, OK, c'est là. Où tous les enfants écrivent des lettres en même temps. Mm-hmm. C'est comme si au Mexique, ou en tout cas, selon le folklore de Noël du Mexique, tous les enfants écrivent leurs lettres au Père Noël la même journée. Oui, il y a comme une activité spéciale, c'est ça. Ouais. Puis ça a le temps de se rendre au bureau de poste, puis le bureau de poste, il est pitch dans les airs à chaque fois que c'est pour le Père Noël. Ouais. Puis là, le Père Noël, il les reçoit, lui, dans une petite porte de son château. Ouais, oui. Il est fou comme de la marde. Ouais, ouais, il est vraiment content. Il est vraiment excité, est vraiment oui. Après ça, quand il est lit, il les met dans des boîtes de menteurs ou vérité. Ça, j'ai trouvé ça étonnant. Là, c'est pas est-ce que le kid est bon ou pas, c'est est-ce que dans cette lettre, il me ment ou est-ce qu'il me ment pas? Fait qu'il ça, dit... c'est le code de est-ce qu'il est bon ou pas. Genre. C'est ça, il sait déjà s'il est bon ou pas. Fait que là, quand dans la lettre, ça dit « j'ai été très sage », lui, il est là « me semble ». Puis là, il met dans la boîte de menteur. Il n'en laissera pas passer une. Mais il l'ouvre pareil. Il y a aussi la troisième boîte. Oui, il y a une. Ah oui, il y a la boîte des. Oui, parce que ceux qui veulent un frère ou une sœur. Oui, ils ont la boîte spéciale. Ouais. La boîte la pour boîte la cigogne. La cigogne qui ça. Vient de Paris. Ouais. Oui, une cigogne parisienne, c'est bien connu. Tous les enfants viennent de Paris. Le romantisme vient de Paris, point barre. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et là, après, on nous présente Merlin. Qui... Ce qu'on comprend est le coloc du Père Noël. Oui, exact. Ben, c'est son coloc ou son amant. Je réitère, je remets ça sur sa table. Ben, là, ça se peut que ce soit Mère Noël, dans le fond, mais, Merlin. Moi, je dirais que son amant, c'est l'autre personnage qui va venir après, mais on va attendre un peu. Ouais, on va parler de Merlin. Merlin qui est dans un gros laboratoire. Qui semble être là pour faire des potions, genre. Faire de la science. De la science magique. Oui. Puis qui a l'air, en fait, très extrêmement distrait, confus et de la difficulté à se déplacer. Il ressemble un peu au mage Eusebius dans Les Visiteurs. Ça m'a fait penser à un melting pot de le vrai Merlin de Disney, puis Eusebius. Il gambade beaucoup aussi. Il gambade beaucoup, il est très enfantin lui-même. Puis, il n'est pas désagréable. À la limite, j'avais beaucoup de sympathie pour ce personnage-là. Tu sais. Il fait un peu de démence, puis il est comme probablement lui aussi contre son gré, pris là-dedans depuis un bout, puis il a comme oublié qu'il était prisonnier. C'est plus, qu'est-ce qu'il se pose à faire. C'est plus, fait qu'il fait avec. Ah, là, le Père Noël, il fait faire une poudre pour endormir les gens. Mm-hmm. Ouais. Mais là, ça, cette scène-là dure genre 45 minutes. Là, où c'est tellement fucking long! Il va chercher chaque ingrédient à l'autre bout du laboratoire. Tous les ingrédients sont déjà à la même place, en fait. Mais il fait un aller-retour à chaque fois parce que rendu là-bas, il se rend compte qu'il a oublié son chaudron. Fait que là, il retourne chercher le chaudron. Il ramène le chaudron à l'autre bout. Il met l'ingrédient dedans. Il revient voir le Père Noël. Puis il dit maintenant, ça prend l'ingrédient numéro 2 qui est juste à côté de l'ingrédient numéro 1. Fait que là, il retourne à l'autre bout. Oh non, j'ai encore oublié mon chaudron. Il revient, il pogne le chaudron et il retourne. Fait que là, il fait ça 3 fois comme ça. Mettons que c'était son premier shift de training dans un restaurant, il ne l'aurait pas rappelé le lendemain. Non, c'est vrai que tu ne fais pas des voyages à l'aise de même. Là. C'est épais. C'est vraiment très, très long. Mais ça fait de la poudre qui fait endormir les gens. Il y a ça, mais il fait aussi une poudre pour rendre invisible.
C'est une fleur, oui. Me semble. C'est la fleur, oui, c'est ça. C'est comme il l'a juste déjà. Là. Il y a une fleur ouais. que quand tu respires la fleur, tu deviens visible. Ouais. C'est un item qui donne... Exact. Ouais. C'est un objet magique déjà forgé. Et là, justement, on nous présente un autre coloc qui est le faiseur de clés. Ouais. Ou, oh my God, j'avais oublié! Le genre de le forgeron poilu. Avec du hot, faux là, poil de chest. Extra manly. Ouais. Puis lui, il donne une clé magique qui ouvre comme d'autres portes. Là, c'est pas trop clair, mais... Il ouvre toutes les portes, pense... que je comprends. Ça peut ouvrir les portes. Quelle... Ouais, ça ouvre ça. Les portes. Mais je pense que c'est lui, moi. Ouais, ça pourrait, ouais. Il a l'air pas un plus hot, en tout cas. Mm. Ouais. Bon, en même temps, moi, si j'étais le Père Noël, choisirais... Le faiseur de clés. Oh, le maître des clés. Le seigneur des clés. Voilà. Stop! Stop! Ben ouais, finalement, ben, ce forgeron-là, il est en train de forger ce qui semble être une épée au moment où on arrive. Puis il semble juste être là parce que c'est lui qui a cette clé-là. Puis il la passe au Père Noël pendant une journée. Puis après, on lui remet, j'imagine. Il le passe partout. I guess qu'il faut que ça revienne. Là. Ouais, c'est ça. Il peut pas juste faire plein de copies, là. Non. Ouais. C'est comme une espèce de clé électrique. Là, quand tu t'en mets sur le bord de la serrure, elle fait une petite décharge, puis là, la serrure s'ouvre. Ouais. Fait que ça a pas besoin d'être une clé. Ça aurait pu être une baguette, mais c'est pour la symbolique, c'est une clé. Ouais. Ils sont très forts à la symbolique. Ils veulent vraiment que les gens comprennent. Et pourtant, c'est tellement... c'est facile de se perdre dans ce film-là. Là. c'est pas l'affaire la plus limpide au monde. Là, un coup qu'il y a ça, là, il est prêt à partir. Oui, sauf que là, il faut qu'il fasse de l'exercice pour passer dans les cheminées. Oui, parce qu'il est gros. Si t'es trop gros, tu rentres pas. Fait que là, si t'es gros, t'es pas mobile. C'est comme ça qu'on voit Il y a des cheminées d'entraînement. Il peut tester s'il est capable de rentrer dedans. Puis là, il fait comme 5 secondes d'exercice, puis il est déjà correct. Puis en fait, il est pareil comme il était. Il utilise l'espèce de machine, là, que c'était comme un... Oui, la machine qui te shake, là, l'espèce ouais, de... ça te shake ton bedon. Ouais. Genre de strap en caoutchouc, pogné après le moteur. Tu te mets sur le ventre, puis tu brasses. Ah oui. Je me demande si ça fonctionne. Je me demande bien, moi aussi. Faites vos propres recherches. Je te donne la connaissance, arrange-toi. C'est ça. Ça marche full, mais faites vos propres recherches. Et après, on nous montre les reines mécaniques. Ah oui, c'était creepy, ça! Ah, ça, c'est rushant. Mais ouais, le Père Noël n'a pas des vraies reines. C'est des espèces de reines qui doivent crinquer avec une grosse clé. Puis on apprend que s'ils ne reviennent pas avant le 25 décembre, ils se désagrègent. Ils tombent en poudre. Ouais, c'est ça. Puis là, le Père Noël serait pogné sans terre. Oui, il n'a pas le droit d'être le reste du temps. Mais là, finalement, s'il est pogné, il va rester. Mais il va mourir de faim sur terre. Parce qu'il ne peut pas revenir. Ben, puis parce qu'il ne peut pas manger la bouffe des terriens. Ouais. C'est-tu expliqué qu'est-ce qu'il peut manger? Lore. C'est pas clair. Ben, il me semble qu'il donne des ingrédients qu'on a sur Terre. T'sais. Il disait genre, vous mangez, mettons, du sucre puis du caramel. Puis là, j'étais comme, ben, pourquoi qu'il on fait a pas tout juste... ça va être correct. Je vais t'aider. Je vais t'aider, je peux t'en faire. Achète-en des A caramel, il y en a plein. Je peux t'en faire du caramel, j'ai le temps à cette heure-là. C'est vrai? Tu peux faire ton pain, ton beurre, ton caramel? Je peux tout faire, sauf le beurre. Fuck le beurre, man, sérieux. Tu fais jamais rien. fait que finalement, ça, c'est l'espèce de urge de... Tu sais, t'as un timer, là. Tu peux pas niaiser. Puis là, ça va devenir vraiment important à la fin du film. Ouais. Parce que pour l'instant, on s'en calisse. Ben oui. Ben c'est ça. Personne ne prend ton sérieux. On est comme rendu à une heure du film, puis c'est juste des éléments au lore qu'on rajoute non-stop. Très lentement. Aucun élément déclencheur à date, là. On comprend pas trop pourquoi on est là. Il n'y a pas vraiment d'histoire, là, jusqu'à maintenant. Puis moi, je dois préciser qu'on l'a écouté chacun séparément, puis jusqu'à cette période-là du film, je l'écoutais en espagnol, sous-titré en anglais, puis il a fallu que je switch. J'étais plus capable, rendu là. Ça rajoutait à l'usure que ça m'imposait, là. Je sais pas pourquoi, puis ça n'a rien à voir. Tu sais, je comprends un peu l'espagnol même, puis je le baragouine, mais c'était le jeu des acteurs livré en espagnol. C'était insupportable. J'ai même pas essayé, moi, ça. Oh my God. En anglais d'entrée de jeu. Il y a une énorme différence. Genre, au moins dans la trame sonore anglaise, j'ai retrouvé
un semblant de familiarité parce que c'était autrement très, très, très étrange. Tu sais, le delivery des acteurs était vraiment particulier. Je n'étais juste pas familière avec le... Ben oui, c'est comme l'esthétique mexicaine du cinéma de ces années-là, là. Mais c'était insupportablement surjoué. Le Mexicoscope. Le Mexicoscope. Je ne sais même pas comment le prononcer vite, vite. En même temps, c'est mon troisième gin tonic. Fait que, mais... sinon, ouais, c'est ça. Les enfants esclaves donnent des cadeaux au Père Noël pour qu'il mette dans son traîneau. Et là, ils se mettent à chanter une chanson qui est incompréhensible. Ouais. T'as comme les enfants. En fait, t'as le Père Noël qui chante, t'as les enfants qui répondent quelque chose. Mais il y a comme. C'est juste des bruits, des syllabes, une par-dessus l'autre. C'est vraiment pas clair. C'était la naissance de la musique bruitiste, en fait, la poésie bruitiste, comme Claude Gauvreau va la populariser au Québec. Mais les Mexicains étaient avant-gardistes, je pense. C'est vrai. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sûrement ça. Sinon, là, on va commencer la bataille entre le Père Noël et Pitch, le diable. Oui, parce que pour finalement, il se rencontre. Pitch, il n'a pas fait grand-chose, finalement. Non, là, il a juste chuchoté à des oreilles d'enfant qui rêve à des affaires weird, mais sinon... Le seul résultat concret qu'il y a eu, c'est de faire péter une vitrine. Mais sinon, that's it. Là, les enfants bum, par contre, ont été convaincus par... Pitch d'attendre le Père Noël sur un toit pour, genre, le kidnapper ou y enlever ses jouets. Mais ça, ça n'aura jamais lieu, finalement. Non, c'est ça. Ça mène à rien à cause d'une comète, là, je ne sais pas trop. Il arrive quelque chose, ils sont distraits, puis en tout cas... Puis ils s'en vont tous chacun chez eux. Ouais. Mais tu as aussi, quand Pitch est sur le toit, à un moment donné, il pousse une cheminée. Ouais. Qui fait beaucoup de sens parce que les cheminées, c'est blocs mobile. Qui peuvent se pousser. Ouais. Si tu l'enlèves, il n'y a plus moyen de descendre parce que le tuyau est comme déconnecté de sa cheminée. Ah, mais c'est pour ça que Santa, il reste pogné à l'envers. C'est parce qu'il n'y avait juste plus le trou à hauteur de la cheminée. C'est pour ça ou c'est parce que c'est un autre joke il de descend, gros? Il descend avec un genre de parasol style Mary Poppins. Oui, OK. À la place. Puis là, il y a la clé qui ouvre les portes. Fait qu'il ne prend plus la cheminée puis c'est tout, là. Ouais, c'est vraiment à la gloire de la modernité puis de la technologie qui te sauve de toutes les situations. C'est ça, c'est génial. À quoi bon, finalement? C'est bien plus simple. Un enthousiasme par rapport à toutes ces technologies naissantes-là. Là. Je pense que dans une des maisons qu'il visite, il y a le diable qui l'attend. Oui, dans la maison du gars riche. C'était-tu celle-là? Ben, c'est une grande maison. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison du riche, mais il y a une véritable querelle pour la première fois aussi. Puis là, c'est là que le Père Noël se retrouve finalement pour vrai en danger, mais avant ça, il me semble qu'il va dans une autre maison non identifiée. Puis là, Pitch, il chauffe la poignée de porte de l'intérieur en soufflant dessus avec son souffle chaud de démon. Pour que le Père Noël se brûle la main sur la poignée. Mais finalement, le Père Noël, il le regarde faire par la fenêtre. Il voit, fait qu'il fait rien que rentrer par la fenêtre. Fait que c'est comme, c'est tout le temps... Home Alone, ce truc-là, d'ailleurs. Toujours bien simple, en fin de compte. Là, le petit tour du diable est niaiseux, puis le Père Noël, il passe à côté bien facilement. Fait que c'est plus mischievous que vraiment méchant d'aucune façon. Là, exact, c'est ça. Là, le Père Noël utilise un jouet canon, un genre de canon avec un pic... qui l'envoie dans les fesses du diable. Oui. Pour lui faire mal. Une fesse, là, soyons précis. Mais là, à la maison du riche, l'enfant riche, il y a le Père Noël qui met les cadeaux sous l'arbre. Puis là, l'enfant riche est comme couché sur un petit fauteuil à côté. Puis il décide, je vais le laisser me voir. Oui, vu qu'il est gentil puis que je ne peux pas lui donner ce qu'il veut pour vrai. C'est comme une offrande, tu sais. Fait que c'est comme, tu voulais tes parents, tu les auras pas vraiment, mais au moins tu vas avoir vu le Père Noël. Ouais, c'est quand même un big fucking deal. Puis là, personne va te croire, puis tu vas avoir l'air d'un psychopathe pour le reste de tes jours. Voilà. Le Père Noël fait comme un peu Bill Murray dans les années 2000. Ouais, exact. Se présente à des parties, puis dit à tout le monde, il y a personne qui va te croire. Ouais, c'est exactement ça. Puis là, il y a la scène aussi après où il y a les parents qui sont au restaurant un 24 décembre à minuit. Ils ont laissé leur kid tout seul. Ouais. Les autres sont allés s'enfiler des huîtres puis du champagne comme des bobos. Là. Ouais.
Mais là, il y a ce qu'on pense être le Père Noël, c'est pas clair. On le voit pas. Le maître d'hôtel est comme clairement le Père Noël déguisé en staff de resto. Là. Il vient leur porter le cocktail, un cocktail magique, puis il leur décrit comme ça. C'est un cocktail magique que quand tu bois ça, tu vas te rappeler de l'affaire qui est la plus importante pour toi que tu avais oubliée. Fait que là, eux autres, ils disent « Ah, cool! » Puis là, ils en boivent. Puis là, ils disent « Ah, fuck, notre enfant! » On l'a laissé à la maison. On a comme laissé notre fil. Fait qu'ils retournent. Fait que finalement, en fin de compte, fait que donc, finalement, le Père Noël, il avait un plan pour faire revenir les parents à la maison. Ouais. Mais pourtant, il avait dit qu'il ne pourrait pas y donner ce qu'il voulait. Puis, en tout cas, que, bref, ça, c'est un peu Santa confus. Works in mysterious ways, hein? C'est comme ça exact. C'est ça. Ouais. sinon, je ne sais pas trop, c'est un peu pas clair, là, mais Pitch, il réussit à monter dans le traîneau du Père Noël, puis il fait un trou dans un sac de glitter. Oui, le sac de la poudre qui endort, en fait. Oui, c'est ça. Et qui contient également la fleur qui fait rendre invisible. Oublié, invisible, c'est ça. Fait que là, tout ça, ça tombe de la poche du Père Noël, du petit sac du Père Noël. Il y a comme une genre de petite bourse à sa ceinture. Puis là, fait que finalement, là, le Père Noël ne peut plus endormir les enfants, il ne peut plus disparaître. Non, là, il est plus vulnérable. C'est pour ça que là, il y a un chien qui lui court après. Ouais. Et là, le Père Noël se retrouve dans un arbre. Ouais. Avec un chien qui lui jappe après. Puis là, il a super peur du chien. Ouais, puis son premier réflexe, c'est je vais l'endormir. Puis là, ah non, fuck, j'ai plus ma poudre. Fait que là, il en baudra. Et là, le Pitch, à ce moment-là, dans la maison, qui est finalement la maison du petit goriche, il y a plein d'autres gens aussi qui sont là. Puis c'est la même maison? Oui, ça se passe tout en même place parce qu'à la fin, le kid arrive là, lui aussi. Il est comme il fait partie de la gang. Les parents sont là. Puis là, il n'était pas tout seul, Pat. Non, c'est ça. Puis là, il va réveiller plein de gens en leur parlant à l'oreille puis en leur disant « Ouais, hey, il y a quelqu'un dans la cour, tu devrais aller voir, va l'attaquer, sors ton gun. » Puis là, il réveille tout. Puis là, finalement, tous ces gens-là dans la maison... C'est un drôle de moment. Oui, ils ont toutes des armes. Ils veulent C'est un drôle de moment pour introduire plein de nouveaux personnages. Oui. Qu'on n'a jamais vu. Ouais, c'est qui ça? C'est l'entourage des parents, genre? C'est juste parce que je sais pas, on n'en a aucune idée, c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Ouais, y a comme ben, c'est tous les figurants qui étaient à la scène du marché au départ, là, mais je veux dire, c'est qui ces gens-là? Il y a comme un couple, puis il y a aussi une personne plus vieille, mais pas carrément. C'est pas clair. Gérard, c'est pas jamais mentionné sur des membres de la famille, des voisins, on le sait pas. On sait pas trop. On sait pas. Fait que là, eux, ils sortent toutes leurs guns, puis là, ils ont super peur. Ils appellent la police aussi, en même temps, puis... Les pompiers. Ouais. Ah oui, aussi, je pense qu'il fait appeler la police et les pompiers par deux personnes différentes dans leurs rêves. Genre, il leur fait rêver à une catastrophe. Fait que là, eux, ils disent « Oh non, au feu », mais ils murmurent ça tout en dormant. Puis pendant ce temps-là, Pitch, lui, il avait signalé le 911, puis il met le téléphone à côté de leur bouche pour que ça appelle les autorités. Parce que lui, il ne peut pas faire ça. Fait que, il y a comme un petit relent de tendresse puis de sympathie envers les humains, genre, qui est supposé corrompre. Il les sauve un peu. Hein? Ben lui, ce qu'il veut, en fait, c'est d'attirer tout le monde sur le Père Noël qui est coincé dans l'arbre et qui ne peut pas disparaître. Fait que son but rendu là, c'est tout le monde va voir. C'est ça son endgame. Ouais. C'est comme faire apparaître le Père Noël comme ça. Fait comme ben, ça. Parce que s'il est pogné là, quand le soleil va se lever, Il va être pogné sur terre. Okay. Il ne pourra pas manger, donc il va mourir, donc il n'y aura plus de Père Noël. C'est une tentative d'assassinat, là, plain and simple. Oui, ouais, exact. Puis là, ça marche finalement. Comme depuis le début, tous ces plans, ça ne marche pas vraiment. Mais là, ce coup-là, ça finit par marcher. La police et les pompiers arrivent. Les habitants de la maison, c'est vraiment long, là. Ils ont comme peur d'aller voir dehors. Ouais. Puis là, Pitch les convainc d'y aller, mais même s'ils sont convaincus, ils vont quand même pas. Puis là, ils s'ostinent. Toi, vas-y. Non, toi. Moi, j'ai pas peur, mais toi, vas-y. C'est super long. Finalement, ils finissent par tous se retrouver dehors pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, le Père Noël, pendant ce temps, lui, est dans son arbre, puis il appelle Merlin juste en criant vers le ciel, en se disant, ma grosse oreille de l'espace va peut-être pogner mon œil scanner. C'est ça.
Puis comme de fait, le petit enfant mexicain du début, lui, il passe dans le laboratoire. Sombrero. Sombrero. Oui. Puis là, il entend la voix du Père Noël à travers la grosse babouche. Oui. Mais Gloria. Fait que là, il va chercher Merlin. Puis là, ouais. Merlin, là, c'est super long, encore une fois. À chaque fois que Merlin est là, c'est interminable. Ça stretch le temps, genre. Il y a, je pense, ma meilleure joke du film, premier niveau, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, le sombrero, il stanne, puis il pousse Merlin pour qu'il aille plus vite. Ouais. Vous voyez, c'est la meilleure blague. Ça dit long, enfin, mais c'est ça que je te dis, c'est notre personnage en moniteur, c'est nous. Le sombrero, c'est nous. Mais il y a aussi... Nous sommes sombrero. Le gros suspense aussi, c'est est-ce que le Père Noël va être libéré à temps pour pouvoir aller porter la poupée à Lupita? Oui, ouais, parce que là, la muñeca. Finalement, il restait rien que ça, ce qu'on apprend. Ouais. C'était la dernière livraison. Même si pourtant, quand il est arrivé au début, ça disait « First stop, Mexico City ». Puis là, il reste rien que là. Puis finalement, tout le reste du monde est déjà fait. Fait que c'était pas le first stop tant que ça. Au final, non. Puis là, mais ouais, pauvre petite. Est-ce qu'en plus, à partir de ce moment-là, on a déjà vu par le passé qu'il était déjà résigné à rien avoir. Ils vivent tellement dans des conditions misérables. Là, c'est vraiment genre l'archétype de la pauvre famille qui vit quand même dans la dignité avec le micro-peu de ressources qu'ils ont. Puis c'est des gens d'une grande piété quand même. Puis, oh mon Dieu, mais ils souffrent tellement, c'est épouvantable. Puis Chris, la petite, est comme, oh non, je comprends qu'on doit faire des sacrifices à la vie. Puis elle espère encore un peu sa poupée, mais elle est full comme down avec le fait qu'elle va aller au ciel, ça n'en a pas, fait que c'est cool, genre. Oui, puis elle n'est pas sûre. Elle se demande, est-ce que c'est vrai que les pauvres n'ont pas de cadeaux du Père Noël? Puis là ça aussi, c'est un bout qui n'est pas full clair, parce que est-ce que les adultes savent qu'il y a le Père Noël ou pas? Parce que la poste est capable d'y pitcher ses lettres dans l'espace. Fait que c'est comme si on sait qu'il existe. Mais les parents, en même temps, ils sont comme bien inquiets quand la petite leur demande, tu sais, pourquoi le Père Noël ne vient pas me voir? C'est-tu parce qu'on est pauvre? Puis ça serait comme dans un monde où il n'y a pas de Père Noël, tu sais. Mais je me souviens plus, sa mère lui avait dit que parce qu'elle était pauvre, elle n'aurait pas de jouets, mais que, tu sais, dans le fond, c'était comme à briser le quatrième mur, entre guillemets, puis à l'utiliser le prétexte du Père Noël juste pour, comme, tu sais, se sauver de ses responsabilités, entre guillemets, là. Oui, mais normalement, si le Père Noël existe, on s'en crisse d'être pauvre, tu vas avoir un cadeau si tu as été gentil. Juste généreux à l'infini, c'est ça. Mais elle a l'air d'avoir l'impression que sa pauvre petite fille n'aura pas de cadeaux vu qu'ils sont pauvres. Fait que c'est comme si parce qu'elle connaît les limitations du Père Noël ou parce qu'elle ne sait pas que le Père Noël existe? C'est ça. On ne sait pas trop. Là. C'est pas ça, très vraiment clair. Mm-hmm. Il y a aussi on nous présente son père. À peu près oui, qui essaie juste d'avoir une petite job. Pauvre petit Il essaie d'avoir une job le 24 décembre. Ouais. À 10h30. Là. C'est ça. Le soir. Peut-être au restaurant que les autres c'est parents ça, j'allais étaient, dire. Là. À moins que tu sois traiteur, je vois pas comment tu pourrais avoir un gig de dernière minute le 24. Là. Ouais. Puis là, il revient, j'ai encore pas trouvé de job. Ben, peut-être dans les nuits de demain, qui sait. Peut-être le 31 vers 11h20. Ouais, c'est ça, tu te resserres. Mais là, je pense que le Merlin, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui envoie un chien robot. Ben, en fait, c'est plutôt que... Je m'en souviens plus, là. C'est que Merlin, lui, que là, finalement, il finit par aboutir dans le laboratoire puis à regarder ce qui se passe dans le télescope. Puis là, il fait juste dire au Père Noël, voyons, Père Noël, quand il y a un problème, il y a une solution qui vient toujours avec. Genre, quand ça te pique, tu te grattes. Quand il y a le feu, tu mets de l'eau. Quand il y a un chien, tu fais quoi? Puis là, il tease pendant 2 minutes. Puis là, finalement, c'est « ben ça te prend un chat ». Fait que là, il dit « prends un des chats jouets que tu as dans ton sac ». Ah, c'est ça. Puis là, il l'avait depuis le début, malgré qu'il a fini ses livraisons, à part pour... Sauf ce chat-là, dont personne ne voulait. Il était tellement lit. Fait que là, il envoie le chat, puis le chat, il sauve. C'est un automate là, qui sauve. Puis là, le chien court après. Fait que là, le Père Noël peut enfin descendre de l'arbre, puis prendre son traîneau. Avant que tout le monde arrive. C'est ça. Puis là, donc, il n'est pas retenu. Puis là, Merlin dit, OK, vite, là, viens-t'en, parce qu'il ne te reste vraiment plus de temps. Puis Père Noël, il dit, non, il me reste encore Lupita. Puis c'est plus important. Fait que finalement, il va y livrer sa poupée juste avant de partir. Sa poupée. Puis là, Lupita est contente. Puis sa mère fait un chemin de croix. Ouais. Oui.
Parce que Dieu, Père Noël... Ouais, c'est toute la même chose. C'est toute la même chose. Dieu est Père Noël. Santa works in mysterious ways. Puis sa foi a été mise à rude épreuve, mais elle a finalement été récompensée. Exact. Si tu crois en Santa Claus, t'es un bon chrétien. Ouais, bon chrétien. Là, ça finit de même. Ça finit c'est de fini, même. Ça finit de même. C'est écrit à l'écran « Blessed are those who believe they shall see God. » Ouais, c'est ça. « On earth. » C'est wow, c'est ça. Ouais. Fait que Père Noël sur Terre, c'est vraiment la deuxième venue du Christ au final. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça. Exact. C'est pour tenir. Ouais. Ouais. Moi, j'ai été un peu déçu qu'on n'ait pas de closure avec Pitch. Comme, qu'est-ce qui arrive avec lui? Est-ce qu'il est déçu? Ouais. Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il est puni par Lucifer parce que ça n'a pas marché son affaire? Total faire valoir, ce personnage-là. Là. Il ne sert à rien. Là. Parce que ça a failli marcher son affaire, puis là, finalement, il s'en est fallu de peu. Ça a passé proche. C'est un très bon plan. D'ailleurs, lui, il surveillait les environs tout le temps, tout le long de l'action, puis finalement, il se fait chasser par les pompiers qui l'arrose parce qu'il ne voit pas, mais il voit la fumée qu'il produit. Fait qu'ils disent « Ah, il y a un feu pour vrai! » Fait que là, il arrose. Fait que là, c'est ça qui fait s'enfuir. Ah voilà. Ouais. Wow. Puis les démons, puis l'eau, on sait que ça fait pas très bon ménage. Fait non, que... exact. Sans entendre un peu la fin. Puis eau, comme le dit le proverbe. Cats and dogs. Fait que c'est ça. On a passé à travers. Hey, rendu là, j'étais fatiguée. Là. Je peux pas vous mentir. Là. C'était quand même très éprouvant comme film. Là. Je l'ai écouté en deux visionnements. Là. Je l'ai pas moi traversé aussi, one shot. Ça m'a pris deux shots, j'ai trouvé ça dur. C'était rough. Très, très rough. Simon, toi, comment ça s'est passé? Toi, tu moi, je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois, donc ça s'est passé correct, mais je savais que ça serait pas facile. C'est pas évident. Ouais, tu savais d'entrée de jeu à quoi tu allais te mesurer. Je fasse mon review. Ouais, vas-y. Certain, j'aimerais review. ça. Ce film-là, à chaque fois que je l'écoute, je pars excité de le voir. Parce qu'il y a des affaires que je sais qui vont être dedans, que j'ai hâte de voir. Mm-hmm. Puis tout ça arrive dans la première heure. Ouais. La dernière demi-heure, là, je perds totalement intérêt. Puis j'ai hâte que ça finisse. Dès qu'il est comme quitté son royaume dans l'espace, on dirait que je m'en fous un peu de ce qui se passe. Je pense que ce que j'aime de ce film-là, c'est juste les idées qui sont pas dans le lore normal du Père Noël, qui sont juste garochées comme ça, sans arrêt. Les reines mécaniques, le forgeron, Merlin, le Glory Hole, tout ça, ça me fait bien rire. Mais vers la fin, tu sais, je suis comme moi, OK, ouais, je m'en fous un peu. Puis, c'est parce que c'est dur d'adhérer à n'importe quel personnage puis d'en faire son héros, là, parce qu'il y a tellement... À part Lupita, là, qui est comme la petite figure christique là, qui fait pitié, mais il y a personne à qui tu peux comme t'identifier tant que ça. Il y a tellement de monde, puis de back and forth, puis le timing est bizarre, tu sais, c'est pas... Ouais, puis Père Noël a l'air complètement batshit crazy, là, tout le long. C'est une espèce de dictateur weird, là. Mais, c'est spécial. Fait que ma note, là, je suis vraiment déchiré. Si je pouvais séparer le film en deux, je notais juste le début. Ça serait des Louvains, puis la fin, ça serait des Grignons. Mm-hmm. Fait que je suis un peu entre les deux. Je vais dire. Oh. Y a-t-il une note neutre qui existe? Et si oui, en quelle unité elle est mesurée? Est-ce qu'on pourrait produire le zéro absolu? Tu sais, le zéro Kelvin là, de votre échelle de mesure, c'est quoi? Je sais pas. Ben, le zéro Kelvin, il serait plus bas que tous les grignons. Faut que ça soit un zéro Celsius. Ce serait pas un zéro absolu, t'as raison. Ce serait un zéro Celsius. OK, bien joué. Je pense que je vais te donner 1,5 Louvain. Parce que je le laisse dans les Louvains parce que je pense que ça vaut la peine d'être vu au moins une fois si on aime le cinéma de Noël weird et un peu psychotronique, ça vaut la peine d'être vu, mais peut-être pas en faire un classique là. Fait que c'est ça, 1,5 Louvain.
Ouais, j'aurais envie de te suivre vraiment exactement dans le même sens là. Mais je pense que j'ai moins eu de fun que toi à l'écouter. Pour moi, ça a été vraiment plus une épreuve que d'autres choses. Fait que, mais je le crisserais pas dans les grignons. Mmh. J'aurais vraiment envie de faire un zéro. Tu sais, ça, au final, là, si je cumule genre mon déplaisir puis mon fun, ça se neutralise parfaitement. Puis c'est un gros zéro. Fait que, un louvon. Oh. Un grivin. C'est un beau grivin. Donc, je donne zéro à ce film-là. Puis, j'espère plus jamais avoir à le réécouter. Mais je repense, mettons, au set design puis à certains beaux petits moments quirky avec nostalgie. T'sais. Fait que c'est ça. C'est un beau flat zéro. Étienne? Ben moi, quand j'ai écouté la première partie, je m'étais dit, je vais vous donner deux louvins. C'est un peu kitsch. Plutôt mauvais. Il y a des scènes très, très, très longues, très lentes, ça me gossait, mais je trouvais que toutes les idées de, justement, comme tu disais, qui ajoutent au lore puis qui ne ressemblent pas à ce que les autres Père Noël font d'habitude dans tous les autres films, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Les accessoires et les costumes étaient nice. Il y avait de quoi là, fait que je m'étais dit deux louvains. Puis finalement, quand j'ai regardé la deuxième partie, après, là, c'était vraiment long. L'histoire avec Pitch est interminable. Ça s'en va nulle part. Les plans de Pitch qui fonctionnent juste jamais. Fait que là, finalement, je suis descendu à un louvain. Mais je le laisse là, un louvain. Je pense qu'effectivement, il y a quand même de quoi là qui fait que c'est quand même c'est une curiosité. Puis c'est pas complètement déplaisant à voir. Mais. Comme, je pense que le best, ça serait de l'écouter un peu en accéléré. Genre, t'écoutes un peu un bout, t'accélères un petit moment jusqu'à temps que là, on est rendu dans une autre scène, puis t'es pas obligé de tout suivre. Tu peux aussi accélérer ta perception de la femme, puis prendre un petit peu de drogue avant de le faire. Ah ouais, c'est le moche, mettons. Ça serait plus fun, ça. C'est le moche, mais pas trop microdose. Je pense que l'écouter en groupe aurait été plus fun. Ouais, sûrement, parce qu'on finit par visionnement, parler. C'est ça. L'appréciation du film aurait été différente si on l'avait écouté ensemble. C'est vrai. C'est pas la première fois qu'on se dit ça, hein? T'sais, ça fait une couple de films qu'on écoute chacun de notre bord, puis on se dit « Ah, j'aurais vraiment eu plus de fun si j'avais été avec vous. » T'sais, l'expérience de visionnement est vraiment dépendante des gens avec qui tu partages le même espace-temps là, à ce moment-là. C'est vrai. Films particulièrement. Quand gang, surtout des mauvais films. C'est plus drôle, puis tu peux crier, puis critiquer, puis là, tout à coup, tu te mets à jaser pendant une scène plate, puis tu reprends intérêt soudainement quand il se passe de quoi. Fait que ça paraît moins pire. C'est-tu plus ou moins le film quand on le visionne de cette façon-là? T'sais, est-ce qu'on est plus pur dans notre réception de l'œuvre si on l'écoute one-on-one, tout le monde chez soi? Fait qu'est-ce qu'on donne une critique plus neutre et mesurée versus... Est-ce que c'est plus ou moins un film, dans le fond? Le film est aussi notre expérience de visionnement. Là, c'est pas juste l'affaire, ça la bobine. Là. C'est vrai. Le film is in the eye of the beholder. C'est ça, comme la beauté et la bière. Je voudrais juste suggérer aux gens, s'ils veulent le voir, mais pas le vivre tout seul, il y a un épisode de Mystery Science Theater 3000 qui ont fait sur ce film-là. Et les membres de Mystery Science Theater qui font maintenant Riff Tracks ont fait un Riff Tracks live. Donc, devant public où ils font des jokes par-dessus le film. Donc, ça ajoute quelque chose. C'est clair. Et, sinon, suggérer l'épisode de Best of the Worst de Red Letter Media qui en parle, qui est quand même assez drôle. Mais comme eux, ils ont aussi dit que le film en tant que tel n'est pas incroyable, mais que d'en parler, c'était plus le fun que de le voir. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils ont bien raison. Absolument. Les gens ne peuvent pas le voir à la maison, mais on fait un zoom en ce moment, hein, puis chacun, on a notre backdrop respectif. T'sais, moi, c'est assez plate, là, c'est juste plainly ma salle à manger. Simon, il a comme mis des extraits de Frosty the Snowman qui défilent derrière lui, c'est vraiment onirique. Mais Étienne remporte la palme parce que c'est Radio-Québec, c'est ça, mais Chris, Étienne, ça a l'air d'une... C'est magnifique, c'est comme une espèce de forêt boréale au couchant, genre, il y a des contre-jours de silhouettes d'arbres. Exact. Qui s'élèvent sur un plan bleu, genre indigo, parce que la journée tombe, là. C'est vraiment beau en tabarnak. J'aimerais ça être chez vous. J'ai tout donné. T'as tout donné, hein? T'as juste tassé ton Kodak par la gauche. Personne de l'auditoire va le voir. Fait que, Mon Dieu, vous avez la belle description de Valérie. Fait que, au moins, il reste très, très belle description.
Ben on l'a fait, Asti. Yes, ben bravo ouais. La gang. We did it! Le temps des fêtes est arrivé. Chez Molson, on est content d'être de la partie. Ça fait tout près de 200 ans que notre bière est brassée ici. Pour ceux qui aiment prendre une Molson, ou ceux qui choisissent la Laurentide, ceux qui préfèrent Molson légère et ceux qui reçoivent avec bras d'or, Molson vous offre un joyeux choix pour de joyeuses, joyeuses fêtes. Et c'est le moment des cadeaux. Yay! Les cadeaux. Ah oui, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas s'offrir de déballer des cadeaux. En même temps, en masse. qui veut commencer? Ben moi, peux-tu commencer? Ben oui. Que moi, c'est tout le temps plus modeste dans mes offrandes. Là. C'est jamais vraiment hot, en fait. Mais tu sais, je suis quand même. Non, mais je suis jamais aussi préparée que vous autres. C'est plus ça que je veux dire, en fait. Je me déculpabilise en downplayant mes affaires. Mais moi, dans le fond, à cause de la pandémie, l'homme, depuis la nuit des temps, c'est le nouveau sujet amené, hein, OK? En ce moment de pandémie, j'ai checké, j'ai cherché un peu à ta manière, Étienne, des tounes de Noël, mais qui parlent de solitude à Noël, parce que là, je me suis mis à spinner puis à me dire que si jamais là, the shit really hits the fan, bon, on a une deuxième puis une troisième vague de contagion puis on est confiné jusqu'à Noël, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai cherché, il y en a pas tant que ça, en fait, mais des tunes qui parlent de la solitude à Noël. Puis, à mon grand désarroi, c'est trois interprètes féminines qui ont toutes l'air des spinsters qui ont produit ces tunes-là. Fait que ça augure très mal pour mon avenir personnel. Fait que c'est quand même très pop et pas très bon, mais c'est des petites perles que je sors d'Internet. La première, ça s'appelle All Alone for Christmas, et vous la connaissez sûrement. C'est de Darlene Love et ça a été featuré sur l'album de Home Alone 2, Lost in New York. C'est sorti en 1992. Ben, si tu veux bien, on peut en écouter quelques bars. Ben oui, on s'en souvient tous, mais c'est le titre est un peu trompeur, en fait, parce que ce que ça dit dans le titre, c'est « Je suis toute seule pour Noël », mais ce que ça dit dans Toon, c'est « Je ne suis pas toute seule pour Noël parce que je pense à toi, whatever ». Puis c'est quand même funny, là, tu sais, c'est très pop, puis comme on le sait, tout le monde se rappelle un peu de cette chanson-là. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'au début du clip, il y a un petit caméo de Macaulay Culkin. La chanteuse s'adresse à lui dans la régie, puis c'est lui qui fait le mix final. Ah oui, c'est, on l'entend. C'est cela. Fait que ça, c'était bien swell. Puis ça m'a fait marrer. Puis après ça, j'ai poursuivi mon deep dive, ma recherche très peu concertée et cohérente. Puis je suis tombée sur une autre chanteuse qui s'appelle Miss Montréal. En fait, oui. C'est une... oui, c'est une auteure, compositrice, interprète hollandaise qui s'appelle Simone Eriksrud. Et elle a une voix vraiment intéressante. T'sais, c'est vraiment... C'est pas full bon, en fait. Là. Mais son pitch, c'est comme un savant mélange de, mettons, Melissa Etheridge puis Shania Twain. C'est quand même funny. Puis c'est ça. Mais là, elle parle vraiment de solitude puis de sujet de spinster. Là. Fait que c'est la deuxième tune que je t'ai envoyée. Christmas Alone. Christmas Alone. Being Alone at Christmas. Ah, alors, c'est pas celle-là. Attends, je vais prendre l'autre. Parce qu'il y en a deux de elle que tu m'as envoyé. Ah, c'est vrai? Mon Dieu, je suis bien poche. Mais oui, OK. Fait que Being Alone at Christmas. Singing bells and snowy streets all around the world. Happy faces.
is everywhere, but your bed is cold. Embrace yourself like no one else could. Being alone at Christmas doesn't have to be a bad thing. Singing songs all for yourself, so c'est un beau message, quand même. C'est pas obligé d'être une mauvaise chose d'être seul à Noël. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment... je trouvais ça très drôle. Ça, c'est, en passant, je voulais pas comme passer sous silence que c'est, ça a été sorti en 2005 dans l'album Last Days and Nights. Puis que le message qu'on tente de d'acheminer à travers les paroles de la chanson, c'est ça. C'est genre, « Hey, fille, c'est pas grave si c'est frette dans ton lit. » Pick yourselves up by the bootstraps, puis j'en continue. C'est très pas Erin Brockovich, c'est quoi je voulais dire, Calis? Le film britannique qui est joué par Renée Zellweger. Bridget Jones. Bridget Jones. C'est ça, Diary. C'est très Bridget Jones. Cette musique-là est sortie à l'époque où il y avait beaucoup de films qui commençaient à adresser là, ces questions-là, genre de, tu sais, des femmes célibataires dans la trentaine qui n'ont qui pas besoin des hommes dans le fond. Puis, en tout cas, ça m'a fait juste un peu pleurer. ensuite. Pas trop. Pas trop. Juste un nombre raisonnable. De larmes. De larmes, c'est ça. Puis. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oh mon Dieu, je me suis tellement trompée en mes deux chansons. Sorry. Miss Montréal, Being Alone at Christmas, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Mm-hmm. Et ce que je vous ai dit par rapport à la chanteuse hollandaise, c'est pas ça. C'est la prochaine chanson. C'est ça, So Sorry, Christmas Alone de Simone Eriksrud de l'album Last Days and Nights. Eh oui, vraiment, il faut que j'arrête le gin, là. c'est la tune qu'on s'apprête à entendre. Et c'est la suivante. Puis c'est la même année, c'est sorti en 2005 et ça a le même propos sous-jacent. Genre, tu sais, c'est pas grave si t'es seule. Tu es encore une personne entière et complète. C'est un petit vibe un peu plus grunge, là, qui était comme un peu déjà passé en 2005, mais c'était quand même fun d'entendre ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette vidéo-là que tu m'as envoyée, qui date de janvier 2019, a 24 views en ce moment. Donc, wow, on va la faire passer de 24 à 25. Fait que c'est très Noël. J'espère que ça augmente la visibilité de ce chef-d'œuvre. À la limite, ça fait un peu Daniel Bélanger. T'sais. C'est très mauvais. Tu sais, je veux dire, c'est pas une mauvaise qualité de production ou quoi que ce soit, c'est juste non. Quelque chose d'insupportable que je vais pas subir pendant le tournoi au complet. mais elle est comme un petit peu plus en face de ses propres sentiments, puis elle les assume un peu mieux. Tu sais, fait que c'est bon, c'est correct, fille, tu l'as. Puis, en finissant, ça n'a même pas rapport avec Noël, mais j'ai vu que Jay Gabriel, a.k.a. le petit Jérémy, avait sorti sa nouvelle toune. Fait que là, Chris, je m'étais dit qu'on allait se faire plaisir, puis on écoutait deux, trois mesures ensemble. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement bon. Ce serait plus adressé à la thématique puis à la dynamique du Noël du campeur, parce que c'est quand même très tropical. Je pense que Jay Gabriel a probablement enregistré son clip. En tout cas, ses shots de drone proviennent de la même île où Éric Lapointe a enregistré Les brumes de ta bouche. Pour vrai, il y a
Québec. En tout cas, c'est bien intéressant. Puis c'est funny. Turks and Caicos. Exactement. Probablement que Jay va passer Noël tout seul. On va écouter du Jérémy Gabriel. Ah oui, ça se passe live, là. Oh God. Okay. J'avais pas écouté encore. Tu sais, je suis pas supposé de parler pendant que ça joue parce que ça fait que ça fuck le son à cause de Zoom, mais là, j'avais vraiment le goût de parler. Tu avais une bonne occasion là, de prendre le contrôle. Ouais, ouais. Oh, écoute, j'ai vu ça, je me suis plié en deux, j'ai ri pendant au moins 17 minutes et c'est même pas exagéré. C'est sorti au 420. C'est sorti au 420, puis ça n'a pas eu vraiment la couverture médiatique que ça aurait dû avoir, je pense. Puis c'est important de mentionner, on s'est pas rendu à ce bout-là, mais que dans cette chanson-là, tu sais qu'il y a vraiment une structure très traditionnelle. C'est l'équivalent de n'importe quel tune pop featuring Pitbull. Ben nous, on a Jay Gabriel featuring Chris G, whoever ouais, that is. Fait un bout de hip-hop. Puis j'ai trouvé ça particulièrement laid de toutes les façons possibles, mais pas mauvais au niveau du son. T'sais, le clip est horrible, mais ouais, si t'aimes ce genre de son-là, là, t'sais, pop tropicalo-quétaine, là, ça peut fonctionner pour toi. Puis ben c'est ça, au final, je m'étais dit que lui aussi, il avait peut-être passer Noël tout seul. En tout cas, je m'explique mal comment il va faire pour se, pour se ouais, trouver une blonde d'ici là. Mais qui suis-je pour le juger? Tu sais, ouais, en tout cas. Parce que moi aussi, je suis seule pour Noël. Puis c'est un peu ça que j'essaie de vous dire. C'est que je suis bien triste. Ouais, mais là, Noël, c'est loin encore. Là. C'est comme... Noël, là, c'est loin ouais, encore. Tu peux changer. C'est dans 246 jours. Voilà. Mais alors voilà, c'était mes cadeaux empoisonnés. Ben oui. Passez vite à d'autres choses pour qu'on efface le souvenir de cette mélodie. D'accord. Je vais fermer cette fenêtre-là. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Père Noël. Je serai pas seul. Simon, qu'est-ce que t'as pour nous? Moi, ouais, mon cadeau, j'ai écouté un épisode du Tac au Tac de Noël. Yes. Wow. Du bon Tac au Tac. Ouais. C'est dans du quelle bon saison? Tac au Tac. Saison 2, okay. Qui a été diffusée en décembre 1977, je pense. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'ai le câble chez nous. Et avec le câble, je me suis pris Art TV. Et Art TV rediffuse des Tac au Tac. Ah, wow! Et là, je l'avais programmé pour l'enregistrer. Et cette semaine, il passe l'épisode de Noël de la saison 1. Holy shit! Que j'ai regardé tantôt avant qu'on enregistre. Wow. D'ailleurs, il y avait la mère Jacquemin de Terre humaine dans l'épisode. Tout est dans tout. Oui, tout est dans tout. Mais je vais revenir à l'épisode que je vais vous parler parce que j'ai écrit cette chronique-là il y a un mois. Que voilà. C'est ouais, du Tac au Tac, c'est un sitcom qui a été scénarisé par André Dubois, Jean-Pierre Plante et Raymond Plante. Et, Jean-Pierre Plante, on a vu un de ses bye-bye. André Dubois, on a vu un de ses bye-bye. Donc, voilà le lien. Il y a eu 216 épisodes en tout. Et l'action se déroule dans le bureau d'une agence d'artistes de Montréal. Le boss est joué par Roger Lebel, qui joue Jean-Jacques Lemay. Et le plus gros rôle, le rôle iconique de la série, c'est Michel Forget qui joue. Il joue le comptable Mario Duquette, qui s'habille toujours avec des vêtements très 70s, là, des gros vestons carottés,
des grosses cravates. Il est très loud. Ouais. Sinon, il y a Huguette qui est joué par Anouk Simard. Il y a Sylvie qui est jouée par Christiane Pasquier qui jouait dans Mémoire vive. Ah ben. Elle jouait la mère de celle qui sort avec Nicolas. En tout cas, excusez, je m'éloigne. Là. La mère de Karine qui dopait sa fille. Exact. Il y a Louis, joué par Jean-Pierre Chartrand. Il y a Florence, jouée par Nicole Fillion. Jérôme, par Daniel Gadois. Thérèse, par Marthe Choquette. Et Catherine, par Véronique Leflaguet. Un cast, voilà. Quand même. Ouais. C'est un cast. Ça commence raide. Il y a Sylvie et Louis qui demandent à leur patron accès au chalet du bureau pour les vacances de Noël. Et là, le boss n'y veut pas. Et quand il quitte le bureau, il parle à Florence, sa femme, et il lui dit ceci. Florence, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Je veux garder le chalet pour nous deux tout seuls. Attention, on va être bien là. Je voudrais mettre du soleil dans nos vies. Tu veux vraiment mettre du soleil dans nos vies? Oui. Amène-moi dans le sud pour les fêtes. Oh, là, c'est la tune de J. Gabriel. Ouais. Voilà. Et là, Huguette, je vais juste dire les noms. Oui. Huguette veut emprunter un bijou à Sylvie pour la veille du jour de l'an parce qu'elle a une date. OK. Fait que ça. Ça y prend un beau bijou. Exact. Mais là, il y a aussi Mario qui parle avec la directrice de l'école secondaire de sa fille, jouée par Thérèse Morange, qui jouait Laïs dans Entre chiens et loups. Je crois qu'elle était surnommée Noun, mais je ne suis pas sûr. Wow. c'est ça, c'est elle veut que le bureau s'occupe d'engager les comédiens pour la pièce de théâtre de l'école secondaire. C'est une grosse production, on dirait. Oui, clairement. Après, Mario dit que les gens dans le bureau sont pas dans l'esprit des fêtes. Oui! Non, franchement, vous deux, je vous trouve que vous branlez dans le manche un peu. Vous n'êtes pas dans l'esprit des fêtes. Je pense. Hein? Que l'esprit Noël, c'est de les spectacles à la fraise, manger comme un cochon, puis dépenser toute ta marge de crédit, de charger, que c'est une masse de charge. Ah ouais. Je vois pas ce que ça peut être d'autre à bord de ça. Mais Mario, Noël, c'est la fête de la générosité, de la disponibilité. On devrait se faire un devoir à Noël de faire plaisir à quelqu'un, de procurer une joie à quelqu'un qui en a besoin. Ah! Ah, ben je l'ai! M'a donné 2 piastres. Tu vas aller te faire photographier sur les genoux du Père Noël au centre d'achat. Ah, moi, tu calçons ou du Louis, voilà, Père Noël. Quel comeback de Mario, quand même. Quand même. Il a dit en crise. Mais ça. Puis là, après, Mario veut organiser le party de Noël du bureau. Mais son boss dit qu'il n'y en aura pas de party parce que lui, il ne veut rien savoir de Noël. Il est bien poche. Il y a Huguette qui vient dire au boss qu'ils ne sont pas capables de trouver, l'agence n'est pas capable de trouver des comédiens pour la pièce de théâtre de la directrice de l'école secondaire. Fait que là, le boss, il est vraiment gossé par Noël. Et après, Mario, il capote parce que là, le boss ne veut plus faire la pièce. Là, il y a Huguette qui suggère que les employés de l'agence, eux, jouent dans la pièce. Ah. Et Mario, au début, il dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais quand elle suggère à Mario qu'il devrait jouer un berger, là, il dit, ah, ben sais-tu, ça serait pas fou. Tu peux mettre l'extrait. Nous avions joué Roméo et Juliette. Évidemment, tout seigneur, tout honneur, j'avais joué Juliette. J'avais à cette époque-là ma taille de guêpe, n'est-ce pas? Et je me souviens de la scène du balcon. Ah, c'était joli. C'est oh, Roméo, Roméo, la couleur de la nuit, fait rougir ma rondeur virginale. Roméo, Roméo, ah! T'avais gagné! D'abord, le prix de la meilleure comédienne, une médaille de Sainte-Philomène dans ton du cou. Ah, c'était extraordinaire! Wow. Fait que là, il se rappelle ses belles années de comédien quand il jouait Juliette. Ouais. Puis là, après du gossage à convaincre Sylvie et Louis, les deux autres agents, pour qu'ils jouent dans la pièce, eux, ils acceptent. Puis parce que, ils disent,
elle, elle a un background d'actrice au cégep, puis lui, il était d'un scout. Fait que, tu sais, ça s'arrange. Ouais, ça arrange. Oui, ça rapporte. Puis là, sauf que le boss, il n'est pas d'accord, mais sa femme, qui voulait qu'elle l'amène dans le sud, a dit que ça n'a pas de bon sens parce qu'en plus, lui, le boss, il a étudié pour être comédien. Ah. Et là, Mario, il capote parce que il dit « T'aurais pu être Jean Coutu ou Jean Duceppe ou Roger Lebel. » Oh, ok, très méta. C'est très méta parce que c'est lui, Roger Lebel. Ben oui, c'est ça. Oh my God! Ouais. Et là, ben, il accepte, mais sans enthousiasme. Fait que là, on se retrouve à la pièce de théâtre avant que ça commence. Il se prépare et la pièce, c'est la naissance de Jésus et la nativité, tout simplement. Wow. Et là, je vais vous faire entendre un échange qu'il y a entre le boss et sa femme qui veut le maquiller pour son rôle. Dis-moi pas que t'as envie de me barbouiller toute la figure avec du noir, toi! Voyons, Jean-Jacques, c'est toi qui fais Gaspard! Il était noir, il venait d'Éthiopie! Faut respecter la vérité historique! Mais y'en est pas question! Pourquoi tu veux pas? Serais-tu raciste par hasard? Bien sûr! Être raciste, c'est pas vouloir le blackface. Pourquoi tu veux pas te mettre de la peinture noire en face? C'est parce que t'es raciste! Ouais. On peut plus rien pas faire en 1977. Ouais. Oh, et là, il y a un metteur en scène joué par Jérôme. Ben, en fait, non. Le personnage, c'est Jérôme, il est joué par Daniel Gadoua, qui, je me suis rendu compte, il joue le même personnage que dans la saison 1, c'était le frère de France Castel, mais France Castel n'est plus dans la série. Non. Il y a un monde du tac au tac que je suis en train d'apprivoiser tranquillement. les liens, les acteurs, tout ça, ça s'en vient. Je vais bien connaître mon sujet éventuellement. À quand le rideau de douche du tac au tac, Simon? Je vais finir celui de Mémoire vive de la dernière saison. Qui est incomplet, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Lui, c'est un metteur en scène, fait qu'il a un foulard et il pogne les nerfs gratuitement après Huguette qui se trompe deux fois de réplique. Puis là, il traite tout le monde d'imbécile, fait qu'il est vraiment trop dedans. Il y a aussi Véronique Leflaguet qui arrive pour prendre des photos. Et là, le show commence. Il y a Mario et Huguette qui sont des anges. Mais dans le public, il y a juste les enfants de Mario qui sont là parce qu'il y a une tempête de neige. Ah. Fait qu'ils font ça pour rien, dans le fond. Ben, ils font un peu ça pour rien. Louis et le boss veulent annuler le show, mais ça ne marche pas parce que la directrice veut le faire quand même, pour une raison quelconque. Puis là, bon, là, il arrive plein de sortes de shenanigans. Puis, c'est ça, les dialogues tout croche des gens qui volent accrochés après des câbles, puis ça va un peu tout croche. Sinon, ben, faut pas oublier que le boss, présentement, est en blackface. Et... Il a, parce qu'il n'est pas raciste, finalement. C'est, ben, ça. C'est ça. Il a accepté. Il took a stand. Ouais. Et là, il y a un des enfants qui était là pour voir la pièce, qui embrasse le boss. Et évidemment, ben, il a la face pleine de maquillage. Ah, mon Dieu, c'est lourd. Fait que c'est ça. Puis là, le boss, ben, il est de bonne humeur. Puis là, il finit par inviter tout le monde à son chalet. Ah, tout est bien qui finit bien. Fait qu'ils vont fêter Noël dans un chalet. Grâce à l'esprit des fêtes. Bravo. Ouais, fait que, c'était l'épisode de Noël de la saison 2 du Tac au Tac. Wow. Ça donne vraiment le goût d'écouter la série. Ouais. On avait écouté un épisode ou deux ensemble une fois, puis on n'avait vraiment pas accroché. Ouais. J'accroche pas plus, mais j'essaye. C'est pas évident. C'est pas une écoute facile du tout. Les codes sont tellement vieux, là. Tout a changé depuis, là. C'est fou. C'était déjà pas bien bon non plus à l'époque. C'était comme très... très quétaine, puis un peu cheap dans le temps que ça jouait. Fait qu'imagine 45 ans plus tard. Là. Mm-hmm. C'est comme les Héritiers du Val, tu sais, aussi. C'est comme, c'est mieux fait, mais est-ce que ça a mal vieilli? Là? Il y a des affaires qui se peuvent plus, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Bien, merci, c'est mon cadeau. Très beau merci, cadeau. Merci, Simon. C'est un très beau cadeau. Thank you.
mon tour, à mon tour. Moi, j'ai décidé de poursuivre ma célèbre chronique « Les albums de Noël » de Paulo Noël. Malade! Oui. J'avais commencé la dernière fois avec son premier album qui était « Noël en mer ». Premier album de Noël. Cette fois-ci, son deuxième album de Noël qui s'appelle « Noël avec Paulo ». Wow! Simplement. Et donc, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est avec l'orchestre de Raymond Berthiaume qu'on a entendu, entre autres, dans le Noël Disco que oui, Simon avait apporté à un moment donné. Et c'est dirigé, cet orchestre-là est dirigé par Rod Tremblay, qui est le célèbre Rod de Rod et les Spas. Oui! Ce rip-off des Chipmunks. Donc, voilà. Fait que tous ces gens-là sont tous ensemble pour créer la magie de Noël avec Paulo, enregistré en 62, ou en tout cas sorti en 62, sûrement aussi enregistré la même année. Et là, fini la vibe marin en solitaire qu'on avait la dernière fois. Je ne l'haïssais pas. Oui, c'est intéressant quand même. Là, cette fois-ci, il laisse tomber ça et il s'en va avec un album plus orchestral, avec beaucoup de classiques de Noël de l'époque. C'est quand même un petit peu moins intéressant parce que c'est moins particulier, disons. Ça ressemble à plein d'autres albums de Noël. On commence avec Noël Blanc, qui est un peu orchestral, beaucoup de cordes et de vent, et on reconnaît la voix particulière de Paulo Noël. Donc, je vais vous faire jouer le début pour vous donner une idée. Le mood de la toune, c'est vraiment le mood de l'album au complet. Ressemble à ça. Point intéressant, il y a un moment où il y a comme une espèce de break qui ressemble à un moment tiré d'un film de Disney. Donc, vous allez voir un peu la soundtrack. Ça fait très soundtrack de vieux films de Disney des années 50. J'aime bien comment ça crépite. Oui, 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 ça gruge beaucoup. Mon enregistrement n'est pas parfait. Ensuite, on a « Douce nuit, sainte nuit » faite à l'orgue et la voix. Ben tranquille. Très classique. Je vais l'avancer un peu. Douce Noël et là-bas. Donc, bon, du Paulo Noël très classique. Après ça, on a un peu plus loin, il y a une espèce de bout de genre de chorale de barbershop tranquille, de bon, c'est bien smooth. Douce nuit, sainte nuit, des petites harmonies. Tout est calme, plus de bruit. Ben, c'est quand même une vibe le fun. Ça a bien vieilli, je trouve, comme truc. Ouais, ouais. J'adore. Ensuite, on a le Petit Papa Noël, dans le même style. Je ne le ferai pas jouer. C'est très... vous êtes capable de vous l'imaginer maintenant. Les ouais. tunes se ressemblent tous un peu. Ensuite, on a la quatrième, c'est le Noël du Père Noël. Chanson peu connue, chantée originalement par Georges Guettari, ou en tout cas du moins ici. Je vais vous faire jouer le début. Joyeux. Par les chemins du ciel, bravant le gris et le vent. Donc là, il raconte Noël du point de vue du Père Noël, puis comment que, tu sais, c'est pas facile, mais il le fait quand même. Et c'est très festif, puis à la fin, on entend la voix du Père Noël, qui est très grave, finalement. On apprend qu'il y a vraiment une belle grosse voix de baryton. Je suis là. Oh, il est en train de mourir. J'adore ça. Je ne veux même pas le faire. Là. Oublie ça, la bonne tonalité. Là. Tout shake. Comment tu l'avais?
C'est des infrasons, tu fais juste les ressentir avec ton corps, tu peux pas vraiment c'est les ça, entendre. Exact, tu les entends pas. Ensuite, on a « Dis-moi, petit Noël ». Celle-là, elle a l'intérêt d'être une originale composée par Paulo Noël. Oh. Donc, tout simplement, il demande au petit Noël de passer chez lui parce qu'il veut lui aussi profiter de tout ça. Il dit aussi qu'il ne demande pas des choses que le petit Noël n'a pas. Donc, c'est quand même cool. Mais il reste flou sur c'est quoi qu'il demande au juste. Comme, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas clair. Est-ce qu'il parle au Père Noël? Est-ce qu'il veut des cadeaux? Ça n'a pas l'air d'être ça. Il parle au petit Noël. On ne sait pas c'est quoi finalement. Ensuite, on a la track « Bonjour Noël ». Ce n'est pas un très grand classique, mais ça a déjà été entendu. Entre autres, Patrick Normand l'a fait. Bonjour Noël, voici que dans les rues, la neige est revenue comme un tapis tout blanc. Bon, voilà. Il y a un petit Fernand Gignac, je trouve, dans oui, ce, un dans peu, sa voix, effectivement. Là. Ça sonne un peu comme ça. Après ça, on a Noël, c'est l'amour, donc très grand classique qu'on a déjà entendu bien des fois. Après ça, Le bonhomme de neige, également une interprétation très convenue de cette chanson fort connue. Après, ben, on arrive à Noël des pauvres. Noël des pauvres, c'est une chanson qui a l'air quand même assez joyeux pour finalement décrire une situation déplorable sur les gens qui sont pauvres à Noël. Donc, voici. Les bois frissonnent dans la nuit d'hiver, les cloches sonnent par tout l'univers, car Noël bientôt va paraître. Fait que, tu sais, ça commence quand même de bonne humeur puis tout. Ouais. Mais en fin de compte, on parle des pauvres qui sont démunis à Noël, donc on arrive un peu plus loin. De jolis présents, mais les réveils souvent sont trompeurs. Au lieu de rire, on voit des pleurs. Ensuite, ça devient très lutte des classes, un peu un thème qui était abordé dans notre film d'aujourd'hui. Quand au matin de Noël, ils s'éveillent, les petits riches contemplent leur bas. Ils y trouvent mille merveilles, les petits pauvres n'en trouvent pas. Voilà, les petits riches et les petits pauvres. Après ça, la track 10, c'est Noël en mer. Donc, celle-là, on l'a entendu déjà. C'est la track numéro 1 de son autre album de Noël qui s'appelle Noël en mer. Donc, c'est la même chanson, mais réenregistrée avec des arrangements un petit peu différents, mais pas tant que ça. OK. Ensuite, on a la track 11, Petite étoile de Noël. Donc là, on parle des rois mages qui suivent l'étoile. Donc, c'est une chanson sur les rois mages, dont Gaspard, qui avait un blackface parce qu'il n'était pas raciste. True that. Maintenant, nous savons ça. We had it all wrong. C'est tout ce temps-là, on pensait qu'on est... Ouais, on n'a pas rapport. On n'est pas woke dans ce temps-là. On salue Thierry Doucet, ceux qui sont au courant de la saga. Faites vos propres recherches. Non, j'ai aucune idée. Il va falloir que je fasse mes recherches. Il va falloir, c'est très important. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, comme la le chanson... 5G. Oui, exact. Utilisez le 5G pour trouver de l'information sur Thierry Doucet. La toune Petite étoile de Noël n'est pas si fascinante que ça. J'en mets un bout. Au parlant de le chameau qui sont chargés de cadeaux. Petite étoile de Noël. Bon, plus ça devient du Paulo Noël comme d'habitude. J'ai trouvé par contre que cette chanson-là, ce qui est intéressant, c'est d'où elle vient, parce que j'avais jamais entendu ça. Puis je checkais comme qui l'avait écrite, puis tout ça. Puis en fait, c'est tiré de la trame sonore du film Son dernier Noël de 1952 avec le chanteur Tino Rossi dans le rôle principal. Puis là, l'histoire, c'est que c'est une fille, une petite fille qui est très malade, puis qui se fait dire
si ses parents se font dire si elle vit jusqu'à Noël, après elle va sûrement pouvoir s'en tirer. Donc, il faut juste toffer jusque-là. Fait le tout, seuil. Ouais, fait que tout le village décide de célébrer Noël tout de suite d'abord pour lui donner plus de chances de s'en sortir. Puis là, Tino Rossi, il chante cette chanson-là. Donc voilà. Et sinon, après, la dernière track de Paulo Noël, c'est Le Noël de la rue, chanson popularisée par Édith Piaf, qui encore parle des gens pauvres et démunis à Noël. Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? Ça, c'est déjà un peu plus connu. Je vais l'avancer un petit peu. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Mon petit, amuse-toi bien en regardant. Fait que voilà, encore une fois, des gens qui n'ont rien, des enfants pieds nus dehors à Noël qui regardent les joies des autres. Donc, on finit sur cette note déprimante. Wow. Mais c'est pas si déprimant que ça, c'est un air de valse. Moi, je suis un sucker pour les airs de valse en général. Là. Les tempos de valse, je veux dire, là, mais... C'est très Édith Piaf, effectivement. C'est très Édith Piaf, non, mais le mouvement qu'il y a dans un tempo de valse, ça, même si le propos est fucking downer, puis la tonalité est en mineur, là... il y a quelque chose quand même de super entraînant dans le mouvement que ça crée. Fait que ça peut jamais être complètement mort puis plate. Le mouvement de la valse, comme chantait Michel Rivard. Ou en tout cas, quelque chose de même. Faites vos propres recherches. Emporté par la foule. Voilà. Fait que c'était ça, le deuxième album de Paulo Noël. Je l'ai moins aimé que le premier parce qu'il y a moins une vibe spéciale. Bateau. Exact. Il ressemble à un peu plein d'autres albums de Noël de cette époque-là. Mais c'est quand même un bon album. Je trouve qu'il est le fun à écouter. C'est tranquille. Mm-hmm. C'est pas trop épais, mais c'est pas non plus trop orchestral, démesuré, fatigant. Donc, ça fait un beau petit background. Donc, je lui donne, disons, 2,5 Louvain. C'est nice. Bon. Voilà. C'est meilleur que la chanson de Jay Gabriel, en tout cas. Oui, oui. C'est mais clair. Pour vrai, pour le fun, vous irez l'écouter au complet. C'est particulier. On verra. Ça manquait de clochettes de Noël. Oui, c'est ça. Hey, si Jérémy faisait une toune de Noël au moins, ça serait vraiment hot. Mais il pourrait faire un remix facilement. Tu fais juste rajouter des grelots. Puis c'est réglé. Mais quand j'ai vu ça sur mes propositions YouTube, j'étais excitée comme au matin de Noël. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma playlist. C'est vrai. Oh my God! Puis rendez-vous au bout de hip-hop. Avec son Chris featuring, G. Chris G. Oh, yo. Qui doit s'appeler Jean-Christian Gauthier. Exactement. Puis il garde ses lunettes fumées en dedans parce que Chris qui est hip. Puis pas toi. Et bien voilà. Merci, Étienne. T'as tellement aidé. Vous me faites tout le temps des beaux cadeaux. Alors, ça nous fait plaisir. J'aime beaucoup tout. Tu t'appelles, toi? Guy Bélanger. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour Noël? Une mitraillette. Une mitraillette, oui. Puis un jeu de course. Un jeu de course. Bon, tiens, une belle suite pour toi. Puis là, okay. C'est rendu le bout de Spotted, on est-tu? Avez-vous des Spotted, vous autres, ma gang de petits confinés? Oui. Oui, j'ai des Spotted un peu improvisés parce que j'ai pas trop pensé à ça. Mais... Mm. Il y a beaucoup de choses de Noël qui se sont passées dans les dernières semaines parce que les gens veulent un peu de réconfort. Fait que là, il y a des postes de télé qui décident de diffuser des films de Noël. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des articles là-dessus, mais aussi je l'ai vécu en... Maintenant que j'ai le câble. Ben oui, t'as la télé. J'ai plein de postes de films et il y a plusieurs postes qui passent des films de Noël. Mais surtout,
les espèces de films Hallmark Channel ou Lifetime Channel, des jeunes professionnels qui trouvent l'amour à Noël, ouais. Soit en retournant dans leur village ou soit en rentrant dans une compétition culinaire. Mais c'est toujours en revenant à la racine puis ouais. À la base hein, qu'on finit par se rendre compte que dans le fond, notre amoureux, c'était le guy next door puis que voilà. Si on se connecte à l'esprit de Noël, tout va ouais. Bien aller. T'sais. C'est ça. Très important. Ouais. Il y a aussi, c'est vraiment un mini spotted, mais j'ai écouté un bout du film La cloche et l'idiot, Dumb and Dumber. Ouais. Le premier. Et il y a la scène où Jim Carrey met du Ex-Lax dans le café de Jeff Daniels. Il oui. Y a une mélodie qui joue et c'est Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Ah! Donc, mais c'est une toune de Noël, ça, vraiment? Parce que c'est une toune du temps des fêtes, là, c'est ce qu'on entend. C'est une toune du temps des fêtes. Ouais. OK. Toune de jour de l'an. Ça okay. Fonctionne. Ça compte. Sinon, j'ai écouté un film. Ça faisait longtemps que je voulais le voir, puis je ne l'avais jamais vu avant, en fin de semaine. C'est The Long Kiss Goodnight, ou Souviens-toi, Charlie. Je crois en français. Okay. Avec Gina Davis, là, qui est une femme au foyer et qui est amnésique. Puis là, on apprend que c'était une espionne tueuse avant. Bon. Mais tout le film se passe dans la période du temps des fêtes et c'est réalisé par Rennie Harlin, qui avait fait Die Hard 2, qui se passait aussi à Noël. Mm-hmm. Et le film se finit sur une espèce de. Une fusillade, explosion, bataille, tout ça, à la frontière du Canada, c'est-à-dire au Québec et les États-Unis. C'est juste ça. Sinon, j'ai fait un casse-tête de Noël et j'en ai plein d'autres à faire de Noël. Et on est encouragé à magasiner local ces temps-ci pour encourager les places qu'on aime. Et une place que j'aime bien, c'est le 33 Tours, un magasin de musique, surtout de vinyle, mais des CD et des cassettes aussi, qui ont mis tout leur inventaire usagé en ligne. Très bien. Tu peux commander le stock usagé. Et je me suis acheté des cassettes et un vinyle. Mon vinyle, c'est suite aux recommandations d'Étienne, c'est Herman Happel. Oui, tu m'as envoyé une photo. Stéréo percussion de Noël. Nice. Oh, shit! Bien joué. Excellent album. Mm-hmm. Et aussi, j'ai acheté plusieurs cassettes, mais deux de Noël. L'album Blue Christmas de Elvis, que je n'avais pas. Surprenant. Je l'ai acheté. Un classique. Et un band des années 70 qui fait un peu du funk disco. Ça s'appelle Boney M. Ah oui. Donc, on les connaît. Christmas album, c'est ça que j'ai pris. Donc, c'est eux qui chantaient Daddy Cool puis Rasputin. Oui, oh. Ils sont très connus pour ça. Mais ils ont un album de Noël. Yeah. Je n'ai pas écouté encore, mais. Ah ben, dans un futur cadeau, peut-être. Ah oui, peut-être. Fait que c'était mes spotted. Bravo. Bravo. Val, en as-tu? Ben, j'ai des spotted visuels. Tu sais, je me promène. Je me promène pour oublier la folie qui me guette dans mon quartier de façon très sécuritaire. Je me promène vite avec un masque puis j'évite les gens. Là. Mm-hmm. Mais je me rends compte que je pense pas qu'on peut mettre ça sur le dos de la pandémie. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas enlevé leurs décorations de Noël. Puis autant j'apprécie le whimsical vibe de croiser genre un full arbre de Noël complètement décoré en plein mois d'avril. Parfois, je trouve ça triste de les voir là. Ça fait comme abandonner, tu sais, mais c'est ça. C'est très... je suis très mitigée. Tu sais, parfois, je croise des décorations de Noël puis ça dépend vraiment comment je file. Des fois, ça m'égaye puis ça me... Ah, c'est donc le fun, dans le fond. Il y a un peu de magie dans le paysage urbain. Puis d'autres fois, ça a juste l'air des espèces de cadavres esselés, genre. Fait que je suis comme... Ça dépend vraiment. Faites attention à vos décorations de Noël. Si vous voulez les laisser à l'année, arrangez-vous pour que ça vieillisse bien puis que ça développe une belle patine avec le temps. Des objets dehors qui passent pas l'épreuve du temps, genre. Ouais. C'est en plastique trop fragile, là, ça risque de juste avoir l'air d'un zombie à la fin. Faites attention. C'est plus une mise en garde qu'un spotted, mais oui. Il y a encore beaucoup d'éléments noëlés dans le paysage urbain. Mmh. C'est un mal ou un bien, ça dépend. C'est ça. Ben, c'est un pensée si bien.
Moi, j'ai trois Spotted que j'avais pris en note avant le confinement. J'ai écouté l'autre fois, ça commence à faire un bout, le film Almost Famous, qui finalement commence à Noël. Ah, c'est vrai, c'est un film de Noël. Oui, ça commence avec la première affaire qu'on entend, c'est la toune des Chipmunks de Noël. Puis finalement, on réalise qu'on est à Noël en Californie. Ensuite, j'ai vu passer sur mon Facebook, ça c'était le 7 mars, fait que tu voyais depuis combien de temps que ça fait qu'on ne s'est pas vu. j'ai une photo d'un autobus de la STM qui avait été prise le 7 mars et c'était écrit sur le display de LED de l'autobus, c'était écrit « Joyeuse fête » encore. Parfait. Il l'avait juste pas enlevé, puis c'était encore en fonction. Et il y a sur la célèbre page Spotted de la Prairie / Candiac / Delson / Sainte-Catherine / Saint-Constant, il y avait une photo d'une maison avec encore ses lumières de Noël allumées. Et c'est le célèbre Paul-André Caron qui nous a tagué sous cette page-là. Donc, on pense que c'est son voisin, en fait, parce que PA me parle souvent. On a un podcast ensemble qui s'appelle Le Bien-Jeu. Ben oui, on se parle fréquemment. Et il chiale sur son voisin beaucoup trop zélé qui a laissé ses lumières de Noël sorties pendant beaucoup trop longtemps. C'est quand même fréquemment. Là, fait que ce monsieur-là est un contrevenant. Là. C'est probablement lui. Mais au moins, il les allume. Fait que c'est pas comme ça, a pas l'air abandonné. Ouais, non, c'est ça. Au moins, c'est pas des lumières zombies. Là. C'est vraiment la pire affaire. Là. Puis sinon, ben, j'ai commencé à la maison avec Gab à binge-watcher The Office. Donc, on a vu plein d'épisodes de Noël parce qu'il y en a chaque saison. Ouais. Et puis là, on vient de passer celui où Andy donne les 12 jours de Noël à Aaron. Puis Michael est fru que Phyllis fasse le Père Noël, fait qu'il devient Jésus. Voilà, c'était le dernier qu'on a vu. Très bon épisode. Oui, c'est effectivement. Bon. Ça fait longtemps, The Office. Il faudrait que je réécoute. Ça fait juste assez longtemps que je les ai vus pour pouvoir savourer la réécoute. Moi, je suis en train de réécouter Community, puis j'ai vu un épisode de Noël aussi. Oui. Alors, en binge-watchant, on peut en voir vraiment beaucoup d'épisodes de Noël. Si on se force, là, on choisit bien notre série. Ah, moi, j'ai fait des biscuits de Noël aussi. J'ai pas mis de décoration de Noël, mais j'ai fait des biscuits au sucre avec un glaçage, tu sais, que d'habitude, tu fais en forme de sapin, là, mais que j'ai juste crissé en tas sur le top du biscuit. C'était tout aussi délicieux. En forme de tas. Un tas non noëlé. Mais ma foi, sucré et délicieux. Miam. 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 Ben voilà, c'était notre épisode Zoom. C'était nos spotted, je pense bien. Je pense qu'on fait le tour avec ça, là. Voici déjà venu le doux temps de Noël. La neige à gros flocons tombe sur les sapins. Max et moi nous cherchons afin de trouver quel sera notre cadeau au bulldog bazarien. Je pourrais leur offrir ma perceuse Nikita, mon casque de bravoure ou mon coffre à outils. Mon chandail des castors serait mon premier choix. Mon Ticon F2000 serait pas mal aussi. Pour un bulldog Noël, qu'est-ce qu'on pourrait donner à nos amis les bulldog bazariens? Et c'est ce qui conclut notre 44e épisode. Hein? 44, c'est ça. Excusez, je suis fatigué. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre ou nous encourager. Hein? On a notre courriel, noelgisidore@gmail.com. Célèbre courriel. L'Instagram, où il faudrait bien que j'ai du temps. Là. C'est vrai. Je pourrais chercher des nouvelles images de Noël puis d'en poster. J'ai pas tant de temps que ça, finalement. Mais toi, tu travailles en télétravail. En fait. Oui, c'est ça. Je travaille, puis je me suis lancé dans d'autres projets. Mais on va trouver du temps, un moment De toute façon, les gens vont prendre ce qu'on leur donne. Ben, c'est ça. Déjà, ils sont pas contents. Ils vont se la fermer. Ils font leur propre recherche, c'est ça. Premièrement, s'ils veulent les images de Noël. Faites-les vos Instagram, si vous êtes pas contents. Oui, faites-les votre podcast de Noël, vous autres. En temps de confinement. C'est ça, on est sur Facebook aussi, fait qu'allez voir ça. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher et Spotify. On fait partie de la famille des Mystérieux Étonnants. C'est vrai. Le podcast des Mystérieux Étonnants, il existe. Cœur et Croupe, qui n'existe plus.
Non, qui était censé revenir pour un festival de podcast qui a été annulé. Ben oui! Là, on ne sait plus. On ne sait plus. Ça va-tu revenir pareil? On ne sait pas. Ah, mais Marilyn, elle a fait un heure du lunch avec Ben, c'était le fun. J'ai aimé ça, c'est vrai. Entendre. Ouais. Ça fait, ça pourrait être un épisode, dans le fond. Ça pourrait être un épisode, techniquement, parce que c'était très... c'était assez intime, mais c'était très impudique comme conversation puis comme révélation, puis c'était très beau. J'ai aimé ça. Bon. Ben, je veux faire un heure du lunch, moi aussi. Appelle-moi. Sinon, si vous donnez au Patreon des mystérieux, vous allez avoir Terre humaine chez Isidore. Ça, ça vaut son pesant d'or. Un spin-off de Noël chez Isidore. Ouais. Sinon, je pense que Valérie, tu as aussi un podcast. Ah oui, mais on n'est pas obligé de se plugger tout mutuellement. Je fais un podcast qui s'appelle Le Bière-Jeu, puis c'est un podcast qui parle de tout sauf de la bière. C'est surtout moi qui parle de toutes sortes d'élucubrations bizarres, puis sans censure. Fait que si vous aimez ça quand j'ai une diarrhée verbale ici, vous allez peut-être aimer ça de l'autre bord, mais c'est pas donné à tout le monde d'apprécier ça. Là, vous venez de sortir votre sixième, c'est ça? Un sixième, ça fait deux épisodes en confinement qu'on fait, puis tu sais, la qualité audio est vraiment pas top, mais c'est écoutable. Tu sais, c'est écoutable, c'est le fun. Les gens vont prendre ce qu'on va leur donner. Hey, sinon, vous ferez vos propres recherches puis vos propres podcasts si vous n'êtes pas contents. Ouais. C'est ce qui se passe. Mais non, on peut, on est ouvert aux suggestions si vous voulez nous proposer des sujets quoi que ce soit, parce que là, on ne peut pas rencontrer vraiment l'intervenant du milieu. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, là, c'est de garder l'esprit de Noël vivant. Voilà. Ça, c'est essentiel. Et toi, Étienne, toujours à Décidérer, qui n'a jamais arrêté. On a continué à chaque semaine, toujours à distance. Puis voilà, il y en aura un autre qui s'en viendra chaque samedi à choc.lol, sinon disponible partout. Puis une autre affaire que j'ai faite avec ma très belle Gabrielle Lisa Collard, femme de ma vie. Et mon pouce. Et ton pouce de ma vie. On a enregistré la lecture du livre « Boubou » par Jacques Boulanger, qui est un livre que Simon possédait et qui a pris le temps de prendre en photo chaque page, donc d'où la présence de son pouce, pour nous l'envoyer pour qu'on puisse le lire. Puis là, on a fait ça en deux épisodes, puis on a mis ça sur YouTube, donc vous pourrez aller chercher ça si vous voulez. Ça s'appelle « Boubou » et c'est très drôle, très mauvais comme livre, Gabriel est souvent fâché. Donc voilà, c'est un bon divertissement. Écoutez ça. Rock on. Bien, moi, j'ai mis mon chandail Countdown parce que je pense que c'est à propos. Ben oui, là, pas besoin que tu me demandes combien de jours qu'il reste avant Noël, Simon. La réponse est sur le chandail de Val. Ah oui, c'est la bonne réponse. Oui, oui, elle n'a pas mis ça au hasard. Wow! J'ai un chandail avec un entrelac de velcro, puis il y a des chiffres que tu peux coller dessus. Ouais. Puis là, Étienne, lis mon chandail. Il reste combien de jours avant Noël, Étienne? Il en reste, selon le chandail de Valérie, et aussi selon mes propres sources, car j'avais fait mes propres recherches, 246 jours avant Noël. Et sachez qu'il en reste 93 avant le jour du campeur. Aurons-nous des terrains de camping rendus là? Je pense qu'il n'y en aura pas cette année. Pas l'impression. Mais en tout cas, on pourra le fêter chacun de notre côté. On va monter la tente dans le salon, puis c'est ça qui va se passer. Voilà. Ouais. Fait que joyeux Noël, tout le monde! Et mille bougies! Mille bougies! Mille bougies, les garçons! Bye.